bonjour, 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 bonjour. Est-ce que allons? Comment vous allez? Très bien, merci. Et vous? Je vais bien. Je vais très bien. Bon, nous allons, vous allez, ils vont bien. Conjugons, c'est la rentrée, on n'a qu'à faire les exercices en même temps. Je vais bien. On n'a qu'à conjuguer le verbe je vais bien. Conjuguons ensemble le verbe je vais bien. Okay. Au présent de l'indicatif. Je vais très bien, merci. Et vous? Tu vas très bien. Au début, le promis. Ouais, c'est le verbe je vais bien. Ouais. Je vais bien, merci beaucoup. Nous? Je vais bien. Arrêtez de raconter. Nous, je vais bien. Arrêtez-moi ça. Mais nous, je vais bien. Les autorités de l'éducation vous suivent. Eh bien, c'est pas où vous allez dire le verbe je vais bien. Vous allez bien, les amis? Bon, comment ne pas se porter bien quand on commence en délire comme ça? Madame Tachène Wadja, Agbassi, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes notre invitée du jour. Vous êtes présidente de l'association Mère Amie des Enfants Trisomiques, Amaitri. Oui. Association montée depuis combien d'années? Merci, madame, pour l'invitation. L'Amaitri a vu le jour le 8 octobre 2019. 2019. 2019 seulement. Okay. Parce que 8 octobre 2019. Ça fait anniversaire de moi-même. Donc vous avez fait deux ans. C'est ça même. C'est ça même qui donne envie. Oui. De... Ouais. Le gâteau est où? Bon, quand on va finir l'émission, on va gérer ça entre nous. On vous reçoit parce que il paraît que les enfants, eux, ils n'ont pas encore commencé la rentrée. Oui. Les enfants trisomiques. Oui, il y a certains centres, juste trois centres à Lomé, c'est ça? Oui. Trois écoles. Oui, c'était quatre écoles dans tout Lomé. Oui. Mais il y avait une à Baie, une à Le Togo au niveau de... C'est ça qui a été fermé là. Oui, voilà. C'est ça le terrain litigé des Brimanto qui ont mangé la chambre. Et il y a une à Solidarité et une à Nkafu. Okay. Maintenant, il reste trois. Mmh. Madame, vous travaillez avec les enfants, mais est-ce que vous avez déjà vu des enfants difficiles comme ça? Et vous avez déjà rencontré des enfants difficiles, surtout ça. Alors, c'est quoi les enfants? Un enfant trisomique, c'est quel enfant? Vous êtes mère d'une fille. Hein? Elle a quel âge? Elle a 13 ans. La copine a 13 ans. Oui. C'est quoi un enfant trisomique? Un enfant trisomique, c'est un enfant atteint d'un handicap mental. Puis c'est dès la naissance. Mmh. Ils ont un ADN, un machin de plus. Un chromosome de plus. C'est les scientifiques qui savent vraiment mieux définir. Mais ils naissent avec un retard psychomoteur. Et il n'évolue pas vite comme les autres enfants, physiquement comme mentalement. Mmh. Et c'est à vie. Hein? Oui, et c'est à vie malheureusement. Mais ils peuvent être scolarisés intégrés s'ils sont accompagnés. S'ils sont accompagnés, ils ont de l'affection de leurs parents, ils ont de l'amour autour, ils sont mieux suivis, ils sont vite allés à l'école. C'est-à-dire, ils peuvent s'épanouir et devenir autonomes. Complètement. Alors, on vous reçoit ce matin. Parce que l'association a des difficultés et a besoin de notre soutien pour préparer la rentrée des enfants dans ces trois écoles. Oui. C'est ça. Et vous serez avec nous. On aura le temps, on en parlera au cours de l'émission. On sollicitera votre grand cœur, au moins pour les choses vraies et bien là. Oui. Venez réagir parce qu'il y a trop d'arnaques de sensibilisation, de mobilisation de fond. Ça là, c'est bien, pas arnaque dedans. Non. Et vous pouvez être fiers de contribuer à une très noble cause que d'aider les enfants trisomiques à préparer leur entrée scolaire. Alors, on va commencer l'émission de ce matin avec une rubrique qui... c'est la rentrée. Et Léonore, c'est sans pause, c'est sans pause coronavirus. Il paraît que tout va bien maintenant. Non, c'est pas ça, j'ai pas dit ça. Il paraît que la situation s'améliore. Parce que nous avons accepté de contribuer à l'immunisation collective. On se vaccine plus, on respecte plus les mesures barrières. Donc les mesures prises par l'autorité il y a un mois, les mesures portent des fruits. Autant et tellement que depuis hier, il y a allègement. Ce n'est pas dit que c'est fini, que c'est un peu mieux. Et comme vous criez, on est là, à crier. L'autorité a allégé. Et ce que vous appelez les grands bars vont rouvrir. Demain, on reprend le chemin des cultes, c'est ça? C'est ouvert pour demain, on reprend le chemin des lieux de culte, toujours dans le respect des mesures barrières. Et surtout que pas loin des lieux de culte, il y aura des points de vaccination pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Ce n'est pas obligatoire,
mais forte recommandation d'aller vous faire vacciner. Alors, je vous disais que la petite histoire de ce jour, Éléonore a choisi de nous faire la petite histoire de certains objets que l'on voit, mais dont on ne connaît pas l'utilité. Mais le truc est que, oui, je suis obligée de dire le vous, parce que généralement, c'est des... Le fabricant, on ne va pas dire l'inventeur. Quand quelqu'un invente quelque chose, c'est-à-dire que ça sert toujours à quelque chose. C'est-à-dire que c'est comme le bon Dieu. Quand il a fait les... C'est... Et qu'il y a s'il, qu'il y a soucis, là. Quand il a fait les sourcils, Dieu, tout-puissant, magnifique, formidable, créateur, le plus grand architecte, etc. Quand il a fait les sourcils, c'est pas comme les gens pensent que quand on trace sur la route, c'est décoration. C'est pas... Tout ce qu'on fait a un but. Oui. Exactement. Ça là, c'est que Dieu sait que comme on va transpirer, la sueur, elle est salée. Oui. Il ne faut pas que ça rentre dans les yeux directement. Si. Dieu, façon lui-même, il est intelligence. Il a fait déviation. Il a fait ça comme ça, il a fait déviation. Mm. Comme ça, l'eau tombe dessus et ça fait déviation et ça coule ici. Ça ne rentre pas sur les yeux. Mm. Mais comme nous, des fois, on peut être plus intelligent que Dieu. On enlève tout. On enlève tout et puis on prend crayon, tasse. On enlève naturel et puis on redessine. Maintenant, on pique, on fait tatouage, quoi. Maintenant, le tatouage, c'est pas du poil qui peut dévier. Donc, on fait tatouage. Et puis, quand on transpire directement sur les yeux. Non, mais sérieusement. Et sérieusement. Non, c'est présentement, il y a même une amie qui porte des plaies à la place des sourcils parce qu'elle a voulu se faire tatouer là-bas. Et c'est avec un produit, un mauvais produit. Et donc, ça lui a fait des plaies. Présentement, c'est... Non, ça doit être très joli. Ça aussi, c'est... Non, ça, c'est un design. Ça fait aussi tatou. Et moi, tu as plein de bakou à que la sueur rentre dans la plaie, là. Qu'un peu nous pas à toi. Il y a un réalisateur qui cherche des plaies. Pour un film d'horreur, ça marcherait bien. Non, si c'est son ami qui en parle. Ouais. Dit, c'est ça la vie, c'est bien d'avoir des amis comme ça. C'est ça, dit la vérité. C'est bien d'avoir des amis comme ça. Donc, c'est vous dire qu'il y a... C'est vous dire qu'il y a vraiment des objets dont on ne connaît pas l'utilité. Mais il y a une utilité. Alors, ce matin, Éléonore a choisi de nous parler de ces objets-là qui ont certaines utilités et qu'on ne connaît pas toujours. Mais relativement à la rentrée scolaire, comme on est dans la tendance de la rentrée scolaire, vous savez, depuis... Ça a fait une semaine lundi prochain. Non, ils ont fait une semaine déjà, les enfants. Les élèves ont repris les classes depuis lundi dernier. Voilà quoi. On ne connaît pas vraiment l'utilité. Et c'est de ça qu'on va parler. D'abord, on va savoir ce à quoi... Non. Oui. Deux semaines. Ça part, hein? Oui, ça fait deux semaines déjà qu'ils ont repris le chemin des classes. Non, ça fait 9 mois. Ils vont encore venir à la maison fatiguer l'air. Parce que quand on commence à dire les parents venus... Premier tranche. Oui, la première tranche, dans certaines écoles, c'est le 8. Hein. C'est le 8 qu'ils ont commencé par chanter. C'est hier. Avant-hier. Donc, dans le cas, c'est cette semaine pour régler la première tranche. Pour ceux qui n'ont pas réglé avant la rentrée. Donc, nous, parents, on s'est fait deux semaines. Allez, Éléonore, on a toujours eu cette gomme-là. Si on peut la voir à l'image, une partie est rouge, l'autre est bleue. La gomme bicolore, on sait que la partie rouge, elle est molle, c'est celle qui sert à gommer le crayon. La partie bleue sert à quoi? C'est-à-dire que vous, tu utilises ta gomme, mais c'est bizarre, les gommes ne finissent jamais. La partie bleue, là, ça sert à quoi? C'est décoration ou bien ça sert à quoi? On a pensé que c'était pour l'encre. On a dit que c'était pour le bic. L'encre du stylo. Mais ça déchirait plutôt le papier plutôt que d'effacer. Donc, comme vous l'avez dit, donc, il y a deux parties sur cette gomme-là. Donc, la partie rose, elle est molle. Oui. Et c'est elle qui est utilisée donc sur le papier. Mais l'autre partie, voilà la partie bleue qui est plus dure. Elle est utilisée sur des surfaces plus solides que une feuille de papier. Comme donc quoi? Par exemple le carton,
les tapisseries, le mur. Le mur, voilà. Donc on prend un crayon pour écrire sur le mur. Il y a des enfants qui le font. Donc quand mon enfant prend un crayon de couleur pour écrire sur le mur, là, je peux. Est-ce que la partie rose, ça enlève crayon de couleur? Quitte ici. La partie rose, ça peut enlever. Des crayons de couleur aussi. Sinon, la partie mais bleue, là, ça c'est un couleur. Mais là, ils n'ont qu'à accompagner la gomme de mot d'emploi. C'est pas possible. Alors, vous saviez que c'était pour après de mûrir de... Non, non. Bon, tu peux essayer avec le stylo. Ça déchire ta feuille. Ouais, ouais, ouais. Et puis, les enfants n'aiment pas les gommes avec une couleur. Il faut que ça soit bicolore. Il faut que ça soit bicolore. On ne sait pas vraiment. Non, mais aujourd'hui, on a des gommes blanches qui nettoient super bien, sans tache. Par hasard, parce qu'en achetant les fournitures rentrées, j'en ai trouvé certaines que j'ai prises. Mes enfants sont les mamans, ah, Gomia, on a gardé l'étiquette, il faut que ce soit ça que tu achètes. Ils apprécient beaucoup ça, que ça efface, mais sans tâche, efficacement, mais facilement. Quoi. En même temps, il faut leur apprendre aussi à nettoyer les gommes. Parce que parfois, la gomme elle-même, elle est sale. Elle après avoir pris de la saleté. Qui transfère la saleté sur le papier. Il faut toujours avoir un mouchoir. Nettoyer la gomme. Ou alors ça peut se laver même. On peut laver même la gomme. Bon, mais je ne sais pas trop. Je crains que... Non, d'acide des trousses, mais caca, voilà. Que ce soit c'est sale, tu peux bien nettoyer avec de l'eau et du savon. Ouais. Tu peux laver la gomme, je crois. Je ne sais pas, mais bon. Avec de l'eau dessus à chaque fois, je crains. Moi, je préfère encore prendre les conseils du Picasso que de... c'est moi, le vrai Picasso. vrai Picasso, c'est par ici. OK, donc on sait que la gomme... Le machin, la gomme, la partie, okay. Là, c'est pour nettoyer toujours le crayon. Mais sur des surfaces du mur, sur du... carton, papier canson, ça peut aussi. Le mur ne veut pas parler des fournitures scolaires. Non, mais il y a les papiers canson et tout ça qui sont durs. Donc, La gomme même nettoie sur papier canson. Oui. Hein. Oui, la gomme nettoie. Et c'est pour fatiguer les gens. Non, ça sert à rien ce truc-là. Bref, allez, on va aller sur le stylo. Éléonore, à quoi sert le trou sur le corps du stylo et le cap du stylo bic. Il y a un trou, mais c'est pas tous qui ont le trou quand même. Le stylo bic, oui. Le stylo bic, c'est grand, ça c'est un gros trou. Les autres, c'est quand même des entailles. C'est des petits, c'est des petits trous. Déjà, le corps, sur les corps de stylo bic, il y a des petits trous en bas là. Là où c'est écrit bic, mais vous voyez que souvent il y a un petit trou. Oui, un petit trou. Ah oui, sur le corps, c'est pas sur le capuchon. Il y a un trou sur le capuchon, mais il y a aussi. Mais sur le corps, c'est clair. Sur le corps, en fait, ils disent que c'est pour maintenir la même température, donc à l'intérieur et à l'extérieur du bic. Ok. Pour l'engrais a besoin de la température. Voilà, que la température soit la même. Donc le petit trou sur le corps du bic, c'est pour que l'air rentre. Maintenant, le petit trou sur le capuchon, c'est beaucoup plus pour les enfants. Il y a certains enfants qui s'amusent et puis bon, ils peuvent avaler le capuchon. Donc, en fait, c'est pour permettre à l'air de toujours passer. Ah. Même, si quelqu'un l'a avalé. Voici, voici. Comment on aime faire les expériences? On a dit les enfants. Qui est enfant ici? Ah ok, c'est pour éventuellement les accidents. Voilà, c'est pour... C'est que pour l'air ne s'en présente pas dedans. Que l'air ne s'en présente pas. Quelle idée que de... Non, excusez-moi, mais... Non, mais donc quelqu'un a dû avaler un jour et ils ont corrigé comme ça ou je ne sais pas. C'est possible. Quoi, c'est possible. C'est possible, mais en même temps, c'est comme quand on fait les jouets pour enfants. On n'a pas forcément besoin qu'un enfant s'étouffe avec un jouet pour qu'on prenne des mesures. Voilà. Votre utilité à vos choses là, en tout cas. Bon, Éléonore. Mais quand même, c'est Bic, c'est la marque Bic qui a cette spécificité et depuis c'est devenu un peu obligatoire pour tous les autres. Est-ce que Bic Fin, tu as un bidon pour Bic Fin? Avant, je suis réclame Bic Fin. Et ça, c'est fin. C'est fin, ouais. Mais Bic Fin. Même, et puis, c'est la classe. Nous qui écrivions comme des crabes, même quand on utilise ça a l'air un peu beau. Quoi. C'est comme make-up. Et puis, la couleur. Mais on dit Bic Fin. Voilà, la couleur de son bleu. La couleur de son bleu. Oh, mais là, quand tu grandis un peu jusqu'au lycée, on a commencé par faire le petit faro. Tu dis, donc, c'est Schneider. Comme le nom du film, quoi. Ah là là. Le Schneider, tu vois, ça changeait à l'époque. Ouais. C'était le bic des administratifs. Ouais. Donc, si tu as quelqu'un qui travaille. si
tu as quelqu'un qui travaille dans une administration, ça te donne Schneider. Respectez-moi un peu. Et puis tu ne trouves pas ça partout. C'est John, bon pasteur. Donc tu utilises Schneider. C'était comme si tu es toi, bon tu achetais tes trucs à bon pasteur. Arrêtez-moi ça. Mais la classe de cette affaire, je donne des stylos. Il y a un stylo qui écrit très bien, 53, on a bleu, le bleu, oui, mais ça écrit mal bien, quoi. Trop mal bien. Le Bic svelte, là. Il est maigre, il est mince, mais il écrit bien. C'est un peu comme nous, les minces. On est mince, mais on est bien. Bien efficace. Mince et efficace. C'est ça. Allez, on va continuer par découvrir l'utilité d'autres articles scolaires. À quoi servirait le stylo sans le cahier? Une partie du cahier, vous le savez, il ne faut surtout pas que l'élève écrive. Son stylo ne doit pas passer par là, vous savez. Ce sont les marges. Bon, ça, c'est dans les cahiers de devoirs, parce que dans les cahiers de leçons... Bon, souvent, ça, les marges servent à mettre la date. Oui, les marges servent à mettre la date. Ou alors, toi-même, tu peux... Raccourcir ta marge. Tu prends une règle, tu raccourcis une partie la marge à deux. Toi-même, tu te définis ta marge. Bref, mais ce n'est pas recommandé, c'est pour les économistes. Savez-vous pourquoi il y a les marges sur le cahier? Moi, je sais, c'est pour mettre les notes. Non. C'est pour que l'enseignant mette très exigeant. Doit faire des efforts. Même pas. Les notes. Même pas. Ben, c'est pour prendre des notes quand il y a le devoir. Non. Quel que soit le cas, c'est les notes. Non. Les notes que je prends ou les notes de l'enseignant, c'est les notes. Ça n'a même rien à voir avec l'élève. Non. Bon, dis-moi. Déjà, les premières marges datent du Moyen-Âge. Elle servait. Oui, quand vous voyez sur les papyrus, par exemple, des Égyptiens, ou bien même les anciennes écritures, vous verrez que c'est au milieu. Il y a toujours une marge des deux côtés. En fait, cette marge est laissée. Pour écouter la chose là. En fait, c'est à cause des rongeurs. On sait qu'ils aiment bien manger le papier. Caca bateau, on va le caca le bouméa. Voilà. C'est préservé. Et pour terminer, vous avez compris. Donc, à la base, c'était pour éviter que les rongeurs ne bouffent l'essentiel du texte. Voilà. Donc, on écrit. Parce que le rongeur ne veut pas manger au milieu. Oui, mais en même temps, pourquoi est-ce qu'il ne. Jusqu'à il va manger, quand il va commencer par manger, jusqu'à arriver là-bas, tu attends. Oui, mais le cahier a deux côtés. Le papier a deux côtés. Il y a marge ici aussi. Ouais. C'était au milieu. Au milieu. Comme toi, quand tu vois la vidéo, ça c'est pour le de part et d'autre. Ok. Et même dans les cahiers, souvent, on conseille de ne pas écrire juste comme si le rongeur vient manger. Donc quand il va commencer, au moins tu vas savoir et puis tu vas mettre ton cahier ailleurs. Donc c'est pour ça que la marge a été faite. Oui, c'est pour ça que la marge est faite jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça. Bon, en même temps, maintenant les rongeurs. Donc, vous verrez pas que dans les cahiers, mais même dans les livres. Dans les livres également, dans les romans, il y a toujours une marge qui est gardée. Ils sont devenus végétariens, je ne comprends pas. Non, mais les cahiers du système anglais, là, des pays anglophones, c'est souvent comme ça. Oui, oui. Et, des fois, même, il n'y a pas de marge. Si, il y a toujours des marges. Hein. Mais c'est juste qu'il n'y a pas les lignes. Il n'y a pas les carreaux. De marge verticale. C'est que des lignes horizontales, il n'y a pas de ligne verticale. Ça, c'est le système francophone. Voilà. C'est eux qui savent compliquer tout sur terre. Vraiment. Ici-bas, si ce n'est pas passé composé... Mais c'est ici que la calligraphie et tout ça, c'est important. C'est pour ça qu'il y a les traits. C'est ça, il dit qu'on complique, non? Mais on n'a qu'à écrire. Le système francophone, on s'en fout. Écris-moi seulement quelque chose. Seulement. Il faut que le L dépasse pas la grande ligne pour venir. Et après, est-ce que dans la réalité, on se rappelle du tout ça? Oui. Quand je apprends seulement. Vraiment à écrire en respectant ça à la base. Ça devient réflexe. Après, ça devient réflexe, c'est vrai. Mais il y a des cas comme toi, c'est vrai. Ouais, on peut tout faire désespéré. Moi, je fonce seulement. Non. Toi, c'est. On peut plus dire. Ah, ça, c'est clair. C'est bon. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Donc, c'est pour ça. Donc, les enseignants n'ont qu'à savoir que. C'est bien, ils n'ont qu'à mettre leur appétition là-bas. Les rongeurs vont bouffer. C'est ce que les rongeurs vont bouffer d'abord. Et puis les parents qui disent, oh, à ton âge,
Ah, quand moi j'étais, j'avais le 20 sur 20. Monter le rangé, peut-être c'est le rangé. Elle a mangé le premier zéro. Le rangé a mangé le premier zéro. Et puis j'ai trompé que c'est celui qui a ça. Ça fait 20. C'est un rongeur là, vraiment. Allez, et on continue à découvrir l'utilité de tout ça. Il y a certaines personnes qui ont une nouvelle chaussure. Certaines personnes. Rentrer à l'enfant. Tu n'as pas pris sac. Tu n'as pas pris chaussure. Mais des fois, on s'arrange. Quand tu ne veux plus, sinon, tu vois l'étape à laquelle tu es là. On me laisse sa part en secret. Ou les chis, sous bon, genre. Tu vois, les chaussures que je t'ai prises il y a 2 mois, là, ça a dépassé. Mais là, ce qu'on va faire, on va prendre 1 à la rentrée, comme ça, jusqu'à Noël. Et là, deux au milieu, va plus. Si on achète beaucoup, tu fais à Talakou, tu fais jeu de jambes. Mais ça dépend de l'âge. Petit garçon, ça ne va pas comprendre ça. Mais quand c'est au collège, genre, 4e, 3e, là, moi, j'ai fait ça, ça a réussi un peu. Alors, tu peux comprendre ça. Et puis, je n'ai pas acheté un nouveau sac cette année. Dit non, tu es en 3e. On va acheter un nouveau sac pour la 3e. Oui, oui. Quand tu auras le BPC. Quand tu auras le BPC. Tu penses. C'est bon. Pas la peine. On va. C'est un magasin de sacs que tu auras. Il faut être astucieux. Voilà, il faut être bien astucieux. Et puis, mais bon. Tenue scolaire. Qu'elle va coudre encore tenue scolaire. Et ben, j'ai dû faire sa voix. Elle souffre, quoi. Mais je n'avais pas le choix. Puis, si elle pousse comme un champignon, cette tenue. Mes tenues, permets-toi. Je sens ça mal. Comment ça? Donc, elle est obligée. C'est parce qu'on a fait de nouvelles tenues que tu seras obligé de continuer dans la même école l'année prochaine. Voilà, je te promets que tu ne vas pas changer d'école. Wow. On voulait une école plus proche. Mais j'ai dit, bon, comme c'est la 3e, je ne voulais pas bousculer, changer d'école pour faire l'examen. Donc, tu finis dans l'école qui est loin de la maison. Avec l'espoir que l'année prochaine, surtout dans l'école qui est la plus proche. Maintenant, on court tenue scolaire cette année. Sa chance, c'est qu'elle grandisse et que les tenues soient petites. C'est vrai. Non, alors, les enfants ont eu des sacs de collier, entre autres, de nouveaux sacs, donc, et des chaussures. Vous savez, dans les objets neufs comme ça, dans les sacs et dans les chaussures, il y a souvent un petit sachet blanc qui contient des petits granulés, c'est comme du sel, je ne sais pas, des un trucs comme ça. Transparent, on nous interdit, on interdit de toucher, d'ingurgiter. Silica gel, des fois on écrit dessus. Bon, on a fait vite de jeter, c'est les premières choses qu'on jette quand même. Eleonore, dites-nous, ce qu'on met, do not eat, là, ça sert à rien, on ne va pas manger ça. Ça sert vraiment à beaucoup de choses. Quand vous saurez, vous allez prochainement, vous n'allez plus le jeter. On n'a pas mangé, non? C'est dangereux, non? Oui, on dit c'est un produit chimique, certes, mais c'est pas aussi dangereux qu'on le croit. C'est vrai qu'il ne faut pas l'ingurgiter. Alors, c'est une forme de sable très pur. Sable? Fait, oui, c'est une forme de sable très pur qui absorbe l'humidité comme une éponge. Donc, c'est pas pour les contre les insectes. C'est pas pour les insectes. Non, c'est contre l'humidité. Donc, vous verrez souvent que dans les nouveaux objets, voilà, c'est ça. Dans les nouveaux objets, il y a ça. C'est en fait pour éviter que l'humidité ne gâte. Donc, la moisissure. Voilà, moisissure. Voilà. Donc, maintenant, quand vous commencez par utiliser l'objet, que vous n'avez plus besoin de ça, c'est pas la peine de le jeter. Vous pouvez, par exemple, mettre dans mon armoire. Dans l'armoire pour éviter la moisissure. Quelqu'un n'a pas acheté un nouveau sac pour me donner ça. J'en ai beaucoup besoin. Et aussi, dans les armoires. Une très bonne utilité. Vous pouvez, par exemple, ouvrir et le mettre dans un bocal gardé. Donc, quand vous achetez les nouveaux, mettre dans un bocal gardé. Et par exemple, quand votre téléphone tombe dans l'eau, vous plongez le téléphone là-dedans. Et ça parce absorbe que ça absorbe l'humidité. Wow. Maintenant, tu y arrives. Pourquoi vous n'expliquez pas ça depuis? C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est du gaspillage. C'est ça, on jette le gaspillage. Parce que c'est dangereux. Très. Donc, vous pouvez garder. Vous n'avez pas chez vous pour me donner. J'avais vraiment. Avec ce que Francis, j'en ai, c'est à vendre. Comment? Non, sérieux. Là. Donc, si vous avez ça, vous mettez ça dans un bocal, vous versez un peu d'eau, vous verrez. Que l'eau va disparaître. Oui. Il y a même des vidéos sur le net, vous verrez. Dès qu'on met l'eau, ça change la couleur du truc. Et vous verrez que ça a absorbé l'eau. Tchou.
On va se promener comme plusieurs personnes ne savent pas ça. On va se promener dans les magasins de chaussures de ça. On le dit. Ouais. Et le truc dangereux là, vous avez, vous donnez ça. Hein. On vient vous aider. Moi-même, je suis allé me vacciner, bien sûr, pour. On vient vous aider. J'ai un antidote, on va vous aider pour ramasser. De tout ça, là, on va vous débarrasser de ça gratuitement. Non, la magnanimité, la gentillesse, tout ça. Tout le monde sait que moi, je suis gentil. C'est-à-dire que qui va encore douter de ma gentillesse au Togo ici, bah, personne. David, et nous, on a mis au clé Vanello. Il ne sort pas. Il faut donner. Hein? Mais Gira, vous commencez pas à vous vendre ça. On te voit chaussure à toi, tu vois chaussure. C'est accessoire, ça devient accessoire. Là, Gira, vous ne commencez pas à vous vendre ça à part. Et puis, une dernière pour la route. Oui. Vous voyez, par exemple, les brosses à dents. Bon, les vraies brosses à dents, pas les brosses à dents de 100 francs. Qui sont dures comme pour les vraies brosses à dents. Donc, souvent, il y a trois parties. Trois différentes couleurs sur la brosse à dents. Sur le poil de la brosse. Mmh. Donc, vous voyez souvent, le milieu, c'est blanc. Mmh. Et puis, les deux extrémités, c'est la même couleur. Oui, et tu c'est parles pas de trois si couleurs, deux couleurs. Deux, bon, c'est séparé en mais trois parties. Mais séparé en trois parties, oui. Des fois, c'est trois couleurs différentes. Mmh. Donc, en fait, la première partie, vous savez à quoi ça sert? En fait, c'est pour mesurer donc, la quantité de pâte dentifrice qu'on met sur la brosse. Quelle en fait, partie, celle qui est au milieu ou bien la l'extrémité à l'extrémité, au bout. Mm-hmm. Enfin, parce que normalement, on doit juste mettre un peu de c'est pâte dentifrice. C'est un poids. La pâte dentifrice, c'est juste un poids qu'il faut mettre. C'est voilà. Pas long, étalé, là. Mm-hmm. Voilà. Donc, même dans la publicité, oui. Voilà, ils étalent. Beaucoup plus pour l'esthétique. Et aussi pour l'esthétique. Donc, le pied est bavant. C'est pour que ça finisse vite. Alors que normalement, cette c'est petite partie là devant, c'est pour mesurer donc la quantité de pâte dentifrice que vous mettez sur votre brosse à dents. Donc, devant où ça sort. Oh voilà. Comme ça. Donc, la, vous voyez les parties. La partie colorée. La partie colorée en bleu et jaune. Donc, c'est juste là. C'est juste là-bas qu'il faut poser la pâte dentifrice. Que vous mettez la pâte dentifrice. De toute façon, on est bêtes. je comprends pourquoi ma femme m'insulte tous les jours. Non, excusez-moi, mais on est bêtes. Elle me demande, tu veux quoi? Tu veux te rassasier avec un peu? Parce que moi, je t'aime seulement. Elle-même. J'ai fait que tu ne veux pas deux couches même. Non, je t'aime seulement. Non, mais sérieux. Donc, je comprends maintenant. Le bout coloré là qui accueille la pâte dans tout ça. Donc, avec ça, vous voyez que vos pâtes dentifrices, ça va rester encore. En tant que pâte, là, pour moi, c'est à bouffer, donc je mets seulement. C'est grave. Non, mais sérieux. Non, sérieux. Non, mais aujourd'hui, on dormira moins, c'est vrai. Hey, on dormira, on rêvera. On a la dose pour même une semaine. Oui, on dormira vraiment moins, c'est vrai. Si, mais montre encore ça. Pas, vraiment. Ouais. Non, donc, c'est non. Juste au bout. C'est quand la pâte est finie dans la boîte qu'on reste. C'est pas faux. C'est quand la pâte est finie. C'est quand il faut aller chercher le drainage de Bayer pour venir. Non, quand il faut couper le tube. Quand vous ouvrez donc un nouveau tube de pâte dentifrice, ce qui sort, c'est petit. Oui. Ça sent toujours petit. Voilà. C'est peut-être au début, aussi c'est la dose indicatif pour vous dire que c'est la dose que vous devez mettre sur la pâte. Très bien. Non. Je n'aime pas me sentir autant bête. Deux très bonnes infos aujourd'hui. Je n'aime pas me sentir autant. Voilà, je suis très malade. Mais je suis contente de laver comme ça ma bêtise. Madame, c'est des gens, on ne connaît pas. Hein. Ah. Et puis, on veut jouer au Socrate, Platon, Pythagore, qu'on connaît tout, on est encyclopédie. Même petites choses basiques. Ouais. Bon, même ça, les fabricants ne nous disent pas. Voilà. Il n'y a pas d'indicatif sur. Eh bien, on peut chercher. Vous allez chercher, vous allez trouver, non ouais. C'est ça aussi. Il y en a en chinois, c'est traduit en turc. Bon, tu ne sais pas lequel tu vas lire premièrement, tu l'as dit dans l'autre langue, moi. Donc, super. Eleonore, merci énormément pour toutes ces belles informations. On dormira vraiment moins bête. Pour une semaine, on a la dose. On a bien la dose. Allez, on va souffler rapidement et on revient pour les infos décalées, mais des infos encore décalées ce matin dans votre émission. Pause Corona et on revient juste derrière.
On dirait qu'il sort plus. S'il n'y a plus personne dans les rues, comment on va faire, nous? Ah, ça, c'est sûr que s'il n'y a plus personne, on va avoir du mal à faire notre boulot. Corona, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on trouve un plan. Mais je sais pas, moi. Place-toi sur une poignée de porte, hein. Ça marche assez bien, en général, la poignée de porte. Une poignée de porte? Mais je vais jamais arriver jusque-là, moi. Je suis trop petit. Oh, mais il faut aussi mettre un peu du tien, hein. Et puis même si j'arrive à la poignée de porte, qu'est-ce qui garantit que je vais pas terminer sur des gants ou pire dans un mouchoir en papier? Enfermé dans une poubelle? Arrête de paniquer, Covid. Ils mettent quand même pas tous des gants et ils ouvrent pas tous les portes avec des mouchoirs en papier. Et s'ils se lavent les mains avant, hein? On fait quoi s'ils se lavent les mains, hein? On fait quoi? Ce qu'il y a de bien avec toi, Covid, c'est que tu pourrais déprimer une armée de virus entière. T'as envie de te battre ou quoi? Franchement, je sais plus trop. Tiens. Oh, ça sent le désinfectant. Je le sens pas, je le sens pas. Ah si, moi je le sens. Hein? Cours, Covid, cours. Mais avec quoi? J'ai pas de jambes, je te signale. Ah ah. Covid. Oui, Corona. Je crois bien que cette fois, on est foutus. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Corona, t'as pas l'impression de perdre la boule à force d'être enfermé dehors? Bah non, on n'est pas enfermé, on est juste dehors. Oui, mais t'as pas l'impression... de perdre la boule? Bah non. Et toi? Oui, un peu. À force d'être dehors, mais enfermé, quoi. Moi, j'ai plutôt l'impression d'être une boule perdue à force d'impression de... Ah! De quoi? De perdre l'impression d'être enfermé dans la boboule. Ah! Cheval, Corona, tu me fais peur. Corona, si c'est une blague, c'est pas drôle. Oh, mais je rigole, Covid, regarde-moi. T'as vraiment cru que je perdais la boule? Ah ben ça me rassure. Un moment j'y ai cru. Si j'avais vraiment perdu la boule, je serais pas en train de parler à un virus hypochondriaque avec deux petits bras qui dit qu'on est enfermé dehors, alors que c'est l'inverse. Tu peux répéter? L'inverse à boboule. Cheval. Corona, tu fais encore semblant là. Mais pas perdu dehors, juste enfermé, voilà. En tout cas, c'est mon impression. Allez, ah ben voilà. À force d'être enfermé dehors, il a perdu la boule. On est foutu. C'est mon impression. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourri nos vies. On continue le balade ce matin avec les infos décalées de Daniel. Dani, oui, ça va très bien, oui. Ouais, ça va. Oui, il fait des fois, ça lui prend de faire son fort. Ça va. Et... quand garçon, là, ça va à l'école sur terre, le monde. C'est quelque chose, hein, vraiment. C'est quelque chose. Il faut aimer se faire plaisir un peu dans la vie. Quand je dis, ouais, ça va là-bas. C'est dans ça que vous vous faites plaisir et puis vous énervez vos employeurs là et puis ils vous punissent. Ouais. Il va nous raconter une histoire, l'histoire d'un Irlandais. Mais dans son affaire, je n'ai pas compris. Il va récupérer son salaire avec un seau. C'est avant, au temps de nos grands-parents, qu'on disait que les voisins de l'Ouest, c'est avec des sacs, de gros sacs qu'ils allaient chercher leur salaire. Oui. En Sidi, à la boque. Ah oui. L'Irlandais, lui, reçoit son salaire dans un seau. Mm. C'est en pièces de 5 centimes. Exactement. Nkayo. C'est pas son bon vouloir. Hein. C'est son employeur qui a décidé de l'embêter. Et comme ça, il dit que quand vous embêtez vos employeurs, ils savent comment aussi vous avoir. Vous, oui, mais le truc, c'est que le jeune homme, c'est un étudiant qui fait un job de... Bon, il a du boulot pour compter son salaire. Exactement. Et donc, il a attendu son salaire. La fin du mois est passée, depuis plusieurs semaines. Il réclame son salaire, on ne lui donne pas. Donc, il a réclamé. Il est fatigué. Il a quitté son poste. Il a quitté son poste, il est rentré chez lui, il dit « je ne viens plus ». Donc, voilà. Donc, dans son départ, le boss s'est dit « ok, bon ». On va finalement le payer, mais on va l'occuper un peu. Donc, il est parti aujourd'hui, le lendemain, le boss le rappelle. Viens prendre ton salaire. Il prend ton salaire, il lui retourne.
C'est un restaurant. Oh, le potage d'assaut. C'est un restaurant. C'est un restaurant. On lui donne. On lui donne ce seau d'eau là, ouais, ouais, de 5 centimes. Et le seau fait quoi? 30 kilos. Mais combien, le salaire, c'est combien? Ils ont le pas salaire, non, ils ont dit je vais. 30 kilos de 355 euros. Hey, attends, c'est 300 euros. Oui, 355 euros qu'on lui donne comme ça. Oui, oui. Je pensais que c'était quelque chose. Non, c'est juste 355. C'est un étudiant de 20 ans qui faisait un job de. Voilà. Oh, et donc il arrive et on lui présente le seau. Il le prend. Non, mais il ne peut pas se plaindre, non, parce que... Non, il peut, mais il ne sait pas. On dit que chez eux, il y a une loi. Selon la législation irlandaise, un employé n'est pas dans l'obligation d'accepter plus de 50 pièces en une transaction. Bah, c'est cool. Que, en fait, apparemment, le petit n'est pas au courant de, de cette loi-là. Parce que c'est quand il a pris le... Quand on lui a donné le seau, il prend le seau en photo et directement il publie sur les réseaux sociaux qu'il ne fait pas bien de travailler. Il cite son entreprise qu'il ne fait pas bien de travailler chez eux et après de réclamer son argent. Il a réclamé son argent. Et puis voilà ce qu'on lui donne. Oh, ce qu'on lui non, donne. Il peut porter. Moi, je vais garder le seau là et puis je vais reprendre mon salaire. Il est prêt sur les réseaux sociaux. Donc, peut-être qu'on peut l'orienter. On peut l'orienter vers ça et puis il va gagner bien plus que ces 355 euros. C'est-à-dire que tu gagnes les pièces déjà. Ça, c'est un bonus en attendant ton salaire et ton dédommagement. Plus traumatisme psychologique et plus traumatisme, le truc que j'ai transporté jusqu'à la maison et Jiménie. Vous imaginez 30 kilos. Si je faisais braquer. Braquer, il m'a fait encore grand-chose. Ça c'est une âme, ça c'est une âme blanche. Le saut là, ça peut être une âme blanche. C'est vrai. Allez, on va continuer par parler argent. Hey, c'est grave. Internet avec tout ce qu'il y a dessus. Oui. Sur Internet, les gens peuvent apprendre tout. On apprend comment faire l'amour, on apprend comment fabriquer des bombes. Oui. On apprend tout. Et là, c'est un gars qui fait des tutos. Il est aux Pays-Bas. Oui. Des tutoriels. Pour apprendre aux gens comment braquer les distributeurs de billets. Exactement. Il est courageux. Oui, il est très courageux. En plus, il n'est pas seul. Ils sont en groupe. C'est un gang qui fonctionne comme ça. Et ils ont dévalorisé. Ils ont eu la bonne idée de dévaliser. Dévaliser beaucoup de distributeurs comme ça. Vous pouvez, en fait. Quand ils ont fait, ils ont réussi, ils se sont dit, ben, pourquoi ne pas montrer. Donc, ce qu'ils ont fait. Donc, déjà, la police était sur la trace du réseau, du groupe. Mais ils sont bêtes, comme la commission internet. Pour choper ceux qui volent. Voilà, donc. Et quand ils ont commencé par faire les vidéos, et quand ils font la vidéo, ils vendent ça à d'autres potentiels voleurs. qui étudient et qui vont braquer à leur tour les distributeurs. Donc, la police était déjà sur leur trace. Et malchance pour eux, ils étaient encore en train de faire le tuto. Et un d'entre eux s'est fait exploser. Comment ? C'est-à-dire, là, pas de bol, le truc, la fabrication de la bombe. Puisqu'ils utilisaient des bombes artisanales. Donc, Ils vont dans le distributeur de billets. Ils ont commandé, voilà, c'est aussi ça qui a alerté la police. Ils ont commandé des distributeurs automatiques. Eux-mêmes. Oui. Wow. Qu'on leur a livré. Pour faire les essais. Un nombre assez important qu'on leur a livré. Et c'est avec ça qu'ils font les tutos. Donc c'est en retraçant les achats là. Que la police a pu finalement leur mettre la main dessus. Mais ils ne sont pas chutés. Hein. Ouais, donc, même pas un peu. Tu n'es pas banque. Tu n'es pas service monétaire. Tu achètes. Oui, mais en même temps, n'importe qui peut commander comme ça un distributeur. Oui, mais ils n'ont pas commandé un distributeur. Ils ont commandé. Non, on demande si donc c'est ouvert à tout le monde comme ça de pouvoir commander des distributeurs. Si le producteur chinois. Si le producteur, il est là et puis il va dire que tu ne peux pas te vendre. Je pense que c'est facile de commander, mais peut-être après, c'est le dispositif derrière qui. Dispositif de sécurité. Donc pendant 18 mois, la police était derrière eux parce que quand ils ont évalué tout ce qu'ils ont volé, ils avoisinaient 2,15 millions d'euros.
Donc la police était derrière eux. Donc la dernière vidéo qu'ils étaient en train de tourner, ça fait bouille. Et il y a eu mort d'homme et blessé. Donc ça a alerté aussi le voisinage qui a fait appel à la police. La police vient, on met la main sur le mort et le blessé. Donc, on met la main sur le mort et le blessé. Non, mais là, c'est le blessé. C'est pour le mort qui est plus grave. Oui, bon, le mort, lui, bon. Non. Oh, Edassi Oléa. On a mis la main sur lui. Non, c'est le blessé maintenant qui dévoile les secrets. Oh, et lui, il n'est pas. Ils ont pris des gens. Bon membre de mafia. Ils ont pris des gens. En Allemagne, également aux Pays-Bas. Yeah. Ouais, donc, en fait, c'est à l'international. C'est à l'international. Non, mais sérieux, quoi. Donc, eux aussi, ils dorment, ils pensent à leur activité. Ouais. Donc, quand ils fabriquent la bombe, il faut placer ça d'une façon pour que ça puisse exploser la machine, mais que ça n'endommage pas. Voilà. Donc, c'est ça qu'ils montrent dans le tuto. C'est aussi une expérience comme ça, ils m'ont acquise là. Ils m'ont pas fait payer formation et puis les gens m'ont venu voir. C'est quand la peine de faire du tout. Regardez-moi. J'ai dit que, tu vois, parlons d'autre chose. C'est bon, parlons d'autre chose. Bon, ce qui vient n'est pas, non, n'est pas aussi... On va en Italie. Oui. Vous savez qu'en Europe, c'est pas qu'ici qu'on joue beaucoup à la loterie. Hein. Là-bas, on gagne gros. Ouais. On devient milliardaire, des millionnaires. Ouais. En jouant au loto, et c'est des bars à tabac comme ça qui vendent les tickets. C'est ainsi qu'un buraliste, c'est-à-dire quelqu'un qui tient un coin comme ça où on vend les tabacs, machin, les tickets de loterie, il s'enfuit avec un ticket gagnant d'un demi-million d'euros. Exactement. Un ticket de quelqu'un d'autre. Oui, c'est une mamie qui a acheté deux tickets chez le buraliste. Oui. Donc, après avoir gratté le ticket chez elle, elle s'est rendue compte que, je suis en train de gagner 500 000 euros. Mm-hmm. La mamie. La mamie, elle s'est dit, c'est comme si je suis en train de gagner 500 000 euros. Mais dans le doute, elle a voulu vérifier, confirmer ses gains. Mm-hmm. Donc elle s'est rendue de nouveau chez le buraliste. Elle a remis le ticket au buraliste. Dès qu'il il a vu que, c'est vrai, mamie, ça gagne. Mamie gagne sur le champ, hein. Sur le champ, il laisse mamie dans son kiosque. Hein? Il prend ses effets, vite fait, il s'enfuit. Non. Parce qu'il sait que mamie ne peut pas courir derrière oui, lui. Mais il ne peut pas toucher. Pardon? Il ne pourra pas toucher. Il n'y a pas de nom dessus. Oui, mais il n'y a pas de nom sur le ticket. Oui, mais si la mamie porte plainte, si la mamie signale, la mamie va signaler, il ne pourra pas toucher. Il n'avait pas pensé à tout ça. Donc, non, mais lui, il est professionnel. Mais lui, il est pro, il vend ça depuis, il ne sait pas que... Peut-être qu'il s'est dit que la mamie ne va pas... Peut-être qu'il va se dire que la mamie ne va pas... Peut-être même qu'il lui a dit que ça ne gagne rien. Non, il n'y a rien dit. Il prend le truc, il s'enfuit. Et la mamie attend. Et donc, non, la mamie n'attend pas immédiatement. Elle se dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Elle prend son téléphone. Elle s'enfuit. Elle appelle la police. On lui dit de venir au poste déposer plainte. Le temps d'aller au poste déposer plainte, le monsieur est parti. Le truc se passe à Naples. Le monsieur part déposer l'argent dans une banque qui se situe dans une ville entre Rome et Naples. Mm-hmm. Donc, il est parti déposer le ticket. Au frais, là-bas. Parce que il dans n'a pas sa encore tête... touché. Non, il n'a pas encore touché. Il se dit... Parce que pour lui, il se dit, la mamie va être machin. Et comme va... c'est sénile, elle est madre. Voilà, et donc... Et bah, il va comme ça, la passer, mamie ça est à la maison en train de pleurer. Voilà, il va laisser passer, ça va se tasser. Et puis, il et vient après, chercher. Il va chercher l'argent. Donc, il dépose... Son ticket là-bas. Et il revient à l'aéroport prendre le vol pour partir dans les îles Caraïbes. Attends, il commence à manger l'argent. L'argent des gens, là. Il a fait un plan en quelques heures. Non, excuse-moi. Non, il commence pas à dépenser l'argent qu'il n'a pas encore touché. Il veut aller. Le rêve était gagné. En fait, tu vois, quand tu as un passeport qui te donne des facilités aussi, c'est ça. C'est des choses comme ça qui peuvent. Tu ne peux pas demander visa avant d'aller là-bas. C'est ça. Donc, il veut aller se reposer carrément. Mais en tout cas, la boutique est ouverte. Oui, il a laissé le jeu. Parce qu'il s'est dit 500 000 euros. Il a fait l'inventaire rapidement dans sa tête. Il s'est dit 500 000 euros, sa boutique. Il n'y a pas photo. Donc, il a fait l'inventaire. Il s'est dit pourquoi s'emmerder? Je laisse la boutique à la mamie tranquillement et puis je m'en vais. C'est ce qu'il a fait. Et c'est
C'est à l'aéroport que la police est venue lui mettre la main dessus. Et on la chope et puis c'est... Le rêve s'est effondré. Mais on l'a empêché d'aller faire des dépenses. Mais vraiment. Parce que le rêve des dépenses, on l'a pris encore. S'il avait dit à la mamie que oui, en fait, ton ticket est gagné, peut-être que la mamie serait gentille, elle lui aurait donné peut-être 1 000 euros, je ne sais pas. Non, il a besoin d'un demi-million, en fait. Voilà. C'est ce que je ne comprends pas. Il a besoin d'un demi-million. Finalement, il n'a rien, quoi. Il se reste dans son kiosque à tabac et puis bon. Comme ça, il perd le kiosque à tabac aussi. Oui, il va perdre son kiosque, ça c'est clair. Parce qu'il est au frais, qu'est-ce que vous voulez? Il est au frais. Il l'avait déjà même laissé, non? Bon, le truc aussi est que c'est dit, comme ça, c'est un esprit qui a dit... Il avait déjà laissé le kiosque à tabac. C'est un esprit là. C'est un esprit qui a dû le travailler parce qu'il n'est pas comme ça, le monsieur. Le gars là, je le connais, n'est pas comme ça. Quoi? Allez, est-ce qu'on va parler de l'enfant? Non, on peut laisser l'enfant. On parle de l'Inde et puis on va finir avec Eleonore. Oui. Allez, en Inde, c'est une condamnation que j'adore. C'est-à-dire que c'est le genre de condamnation qu'il faut prononcer aujourd'hui de plus en plus. On appelle ça des condamnations pratiques. Et que tu ne vas pas faire commettre une infraction et puis on va aller te déposer au repos, en prison, te nourrir, te... Aouré, amebaba, le noamé. Bonjour à tous ceux qui nous suivent dans les différentes prisons civiles de Lomé. On vous aime beaucoup. Mais... ce qui serait bien, c'est que tous ces espaces qui existent là, qu'on ait de la main de pour labourer, pour sacler. En Inde, le gars, il est condamné pour viol. Non. Non, il n'est pas condamné pour viol. Il est accusé de tentative de viol. Exactement. Accusé de tentative de viol. Et voici la peine. Il va laver le linge de 2000 femmes de son village pendant 6 mois. Oui. Et elle a fait pendant 6 mois. Non, non, j'adore en fait, la peine. Ça, non, c'est tentative. En fait, imaginez si la mère... Si la mère... Si la mère... Non, non, en fait... Avec la mère. Avec la mère. Non, dans son cas, ce n'est pas forcément avec la mère. Avec quoi? La peine a été assortie à sa fonction. Ah, c'est un blanchisseur à la base. Mais lui gagne l'argent avec, non? Oui, oui, oui. Moi, moi, t'es un bon client, mais toi, donc, donc, ils ont adapté la peine au travail qu'ils font. Au travail qu'ils font. Oh, c'est pas bien. Non, mais c'est bien. On a des taux, le nouveau, mais bah, il va laver. Est-ce que vous savez si c'est les 2000 femmes du village qui ont les moyens de donner leurs habits à un blanc? C'est ça. Et il n'a pas forcément les habits. Pendant 6 mois. Pendant 6 mois, il va laver ça. Et tenez-vous bien, les produits... C'est à sa charge. C'est à sa charge. Au foyer. C'est à sa charge. Ouais, donc, demain, il va c'est juste faire. Il a été accusé de tentative de viol. Il n'aura donc même pas le temps de faire quelque chose. Pour ne pas aller en prison, il a accepté la peine. Il n'aura même plus le temps de faire ça pour sa vie. Exactement. Donc, c'est fait pour... Non, j'adore. C'est fait pour... Elle a le nez pour... Par jour, elle aussi. 2000 femmes. On n'a pas dit que je vais venir une seule fois par semaine. Hein. Ça, par jour c'est même. Pas déterminé. Par exemple, toi, Lise, tu peux venir autant de fois par jour et autant de fois par semaine. Mon slip, je viens, elle est sur mes nez. Ma serviette, ma serpillère. Donc, lui, la limite, c'est seulement 6 mois. Mais il va laver jusqu'à... Voilà, par jour. Et puis, je pense... Par jour, une femme peut venir 5 fois, 6 fois, comme elle veut. C'est pas un problème. C'est-à-dire que lui, il est foutu. Si tu veux parler, ça dit... Et puis, est-ce que c'est l'habit des femmes, là, seulement il va laver? Les femmes, elles lavent l'habit de leurs enfants. Oui, mais c'est le linge de la famille. Quand la femme amène, tu laves, c'est ça, en fait. On m'a dit, mais à Moutoué, à Toulouré. Elle peut amener le pantalon de son mari, tu laves, c'est pas possible. Alors, je pense que même la peine est adaptée un peu au pays, parce que, vous voyez, même l'Inde, c'est un pays qui est surpeuplé. Sûrement que la prison aussi, c'est clair. Comme ça. Donc, là... Et puis, il y a... Enfin, quand on remonte un peu, pas longtemps, en Inde, c'est le viol, c'est pas vraiment puni, hein. Oui, oui, c'est plus on accuse plus la victime. La victime, ouais, bien sûr. Ouais. C'est maintenant que les mais choses... ce genre de peine, j'adore. Ouais, c'est maintenant bien. Que les choses... Oh, it is cool. Est-ce que ça ne donne pas des idées? Si on peut, ça doit donner des idées, on doit réadapter les trucs, là. Ouais. Ouais. Réadapter les trucs. Ouais, pour décongestionner les prisons. Et puis ça va servir, hein. Ouais. L'État va gagner. Ouais. Je te dis que nos vieux... Non, mais de toute façon, ce monsieur va laver, je pense... pas qu'il aura encore envie de tenter. Et puis c'est même pas un point. Il n'aura pas d'argent.
Il n'aura même pas le temps. Enfin, tout ce qui fait que la vie vient là, c'est mort. Pendant 6 mois. Mais même après 6 mois, c'est mort. L'espérance qu'il va vivre pendant 6 mois. Mais même pour assurer son devoir conjugal, il ne pourra pas. Il va avoir peur. Elle a même une théorie. Je suis sûr qu'il y a des femmes comme Lise, il doit en avoir là-bas qui vont franchement l'emmerder. Il va avoir... moi, j'emmerde les gens. Non, mais si tu es en Inde, même là où tu es là, si tu as le moyen d'envoyer. Mon linge ici, si je peux seulement envoyer, puis il lave. Je vais payer le billet, je vais payer le transport. Si dans votre communauté, vous avez déjà quelqu'un comme ça, genre un blanchisseur qui a été, bon, condamné, un coiffeur qui a été condamné. Et là, quoi, la caca, si bon. Puis bon, voilà quoi. La différence. Vous allez prier pour ce que les artisans, les libéraux, la tête, ils sont pas condamnés. Il a fait tentative de viol. Et il est coiffeur. On le condamne pour qu'il coiffe les gens gratuitement. Et là, surtout, il va y aller. Je vais blesser mon gars. Non, je n'ai pas. Il va nous blesser. Il va nous blesser. Il a dit, il n'y a pas de fou, il y a te montrer. Non, moi, je n'ai pas. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. Il va nous blesser, ce gars-là. À son tour, là, il va nous magnifier. Allez, et on va finir avec ton info, Elo, non? Je pensais la garder. Non, 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 non. C'est pour ça que j'ai omis l'enfant. Allez, on y va. Alors, c'est en Namibie. C'est en Namibie, écoutez. Écoutez, c'est-à-dire, sur Terre. Attends, j'envoie les images à. Vous pensez que vous avez affirmé tout vu déjà sur Terre, mais non, vous n'avez encore rien vu. Non, toi, vas-y seulement. Vous n'avez encore rien vu sur Terre. Il s'appelle. C'est un monsieur, hein, il s'appelle... C'est un homme politique? Oui. C'est quoi son nom? Son nom namibien, c'est Unona. Maintenant, son autre nom que ses parents lui ont donné, c'est Adolf Hitler. Ses parents lui ont donné quel nom? Ses parents lui ont donné Adolf Hitler comme nom? Comme prénom, en fait. Les deux ensemble? Oui. Tout comme au Togo, il y a une famille qui a donné François Mitterrand à son enfant comme prénom. C'est que je ne sais pas comment ça tourne dans nos têtes en Afrique. Oh non, il y a quelqu'un qui dit Akapo à François Mitterrand. Mais c'est Akapo, non, c'est pas toi. Hein. Sinon, je vous envoie Elsetat. Elsetat. Congolais s'appelle Elsetat. Mais c'est combien examen d'État. Préfina. Oui, Préfina, première fille. Fille de notre amour. Examen d'État. Je crois que la première fille de Koffi Olomide s'appelle comme ça. Paga était un. Elsetat. C'est comme un médicament qui fait les maux de ventre. Qu'on compte les maux de ventre. Moi j'ai un ami congolais qui s'appelle Sérieux. Hein? Oh ça seulement. Sérieux, content, satisfait. Il y a Lucifer. Hein? Ah ouais, oui. L'enfant de Lucien Ferdinand. L'enfant de Lucien de Ferdinand, Lucifer. Madame dit Lucie quoi? Lucifer. Lucien Ferdinand. Donc comme ils s'aiment là, ils ont pris leur nom pour donner. Celui qui s'appelle Lucifer dans... Madame Benyake. Donc, c'est dans ça que, en Namibie, là-bas, la famille Unona, ou bien... Oui. A trouvé que Adolf Hitler, c'est bon pour donner... Elle lui a dit trouvé de mieux que les relations politiques. Ouais. Eh, mais il remporte... Il aurait pu faire autre chose. Il aurait pu faire autre chose. Donc, en fait... Il va avoir le visage méchant ou bien il a été élu dans sa circonscription avec 85% des voix. Quand même, wow. 85% quand même. C'est pas n'importe qui. Les gens veulent tenter. Donc, c'est à l'occasion des élections régionales en Namibie qu'il a été publicité. Et c'est son nom qui suscite beaucoup plus de réactions que le nombre de voix qu'il a obtenu. Ben ouais, c'est clair. Et il le martèle, donc son nom n'a rien à voir. Est-ce qu'il avait avec l'idéologie nazie. Tu vois, et puis il vient nous dire, et puis il vient, comme si elle avait besoin, que je ne suis pas parenté à Adolf Hitler. On a besoin que tu nous dises ça. De la même façon, tu es noir comme ça. Il faut pas qu'on punisse nos enfants, quoi. Donnons-leur des noms. Vraiment, des vrais noms, là. Des noms portables et supportables. Donc, en fait, il a déclaré, puisque c'est son nom qui fait polémique, il a accordé certaines interviews. Il a déclaré pendant une interview que c'est son père donc qui lui a donné ce nom. Son père est méchant. Et il ne comprenait pas probablement ce que Adolf Hitler représentait donc à l'époque avant de donner. Oui, mais l'histoire de la Namibie avec l'Allemagne, je pense qu'il y a eu un massacre. Il y a eu une histoire quand même, Namibie et puis Allemagne.
Et lui, enfant, bon, il dit qu'il a vu comme un nom tout à fait normal, c'est clair. Il n'a pas fait l'histoire, Géo, à l'école? Non, mais avant de commencer tout ça. Et quand il a grandi, chez eux, on ne change pas le nom. On peut changer le nom. On ne fait pas jugement chez eux. C'est vrai que le changement du nom est difficile, mais quand ça porte préjudice comme ça... Il y a dans certains pays même, ils n'acceptent pas de prendre certains noms. Ce n'est pas en Europe que tu prendras Adolf Hitler. Oui, il y a quelqu'un qui a voulu appeler son enfant comme ça. Oui, on a refusé. La jurisprudence refuse. Ce n'est pas possible. Il n'y a que chez nous. Mais vous vous rappelez que je vais raconter aussi l'histoire d'un monsieur belge qui voulait... qui a déposé sa candidature, je ne sais plus pour si c'est pour les législatives et tout ça, là, qui voulait ouvrir un compte pour faire la campagne. Or, son nom, c'est Anus. Facebook Anus. N'aime pas... Son nom a été rejeté, oui. Son nom a été rejeté et il a enlevé le S pour mettre Anus et Facebook a accepté. Non, il y a des parents qui vous créent des problèmes aux enfants. Quoi. On n'a pas la même mentalité. Vous savez qu'il y a des gens qui adorent Hitler. Oui. Là, maintenant, appelle Hitler ton enfant à la maison, dans ton adoration. Qui ne m'oblige pas à l'appeler. Oui. Qui peut oser faire ça. Ça, c'est un nom lourd à porter. On peut pas. Tu veux me dire énorme, tu dis lourd. On peut pas. Non, en fait, il se faisait appeler donc Adolf Ounouna. Peut-être c'est quand il a gagné que son nom complet est sorti et il a su que sa femme l'appelle Adolf à la maison. Mais c'est clair, sa femme et va jamais l'appeler Hitler. C'est un nom qui est quand même courant dans le pays. Ou moi même simple Adolf là, moi-même ça me fait bizarre. Et il dit qu'il n'a pas pu changer de nom puisque c'était le nom qui était sur tous ses documents officiels. Lui-même, là, ça lui plaît. Ça lui plaît. Sinon, depuis que tu as eu le bac, avant les détenus, ça lui plaît. Il s'est juste fait toller. Il ne serait pas appelé Adolf Hitler. Est-ce qu'on en parlerait au Togo aujourd'hui? Même pas. Qui le connaît? Inconnu. Célèbre inconnu au régiment. On appelle ces gens-là. Célèbre inconnu au régiment. Si ce n'est pas Adolf Hitler qui te fait sortir, là... Non, sérieux. Bah, t'as qu'à faire, il n'a qu'à porter la moustache. Bon, lui, il est loin de ressembler comme ma grand-mère. Sa masse, là. Non, pardon. On a qu'à souffler. Mais c'est les gens qui appellent les enfants Macron. Pas gars qui est en main. Mathieu, on est là. Mais allez, quel Français appelle son enfant Yadema? Il y a des enfants qui s'appellent Obama également. C'est la colonisation qui continue. Il y a eu des enfants qui sont appelés Donald Benja dans ce pays par rapport à... Maintenant, quand l'enfant va grandir, il va ouvrir et va distribuer, le parent va être surpris. En oubliant que Donna, c'est, je crois, madame. C'est madame. On colle à l'enfant Donna Benja. Bon, ça ne surprend pas. Il paraît que dans un village, quelqu'un a appelé son enfant chef de gare. Oui, parce que vous savez qu'à l'époque, comme les gars, les chefs de gare, c'était les autorités du village. C'est-à-dire que c'est l'autorité, l'enfant c'est l'autorité. Donc comme le monsieur s'appelle chef de gare, et il aime beaucoup chef de gare, et pour la chef de gare, la carrure, la prestance, l'enfant est né... Et on l'appelle Bodomboudouba, un chef de gare. Chef de gare, il y a un coin. Bah, il y a aussi des fêtes. Il y a fête nat aussi. Il y a des fêtes. Oui, je vous ai envoyé. Sur les calendriers. Il y a, c'est prévu. Fête nationale, on a fête. Point, fête. Ouais, pas fête nat. Il y a, c'est prévu. C'est prévu. Et il y a le nom. Fait non, c'est prévu. Oui. L'enfant était prévu, donc il faut que tout le monde sache. Bien sûr, appelle. Ça s'appelle Bolingo, c'est prévu. C'est chez eux là-bas. Quand je veux, j'ai voulu un enfant, il vient manger. J'ai voulu un enfant. C'est le prénom, ça. Ouais, c'est le prénom. Respectez un peu les enfants, s'il vous plaît. Et puis donnez-leur des noms de tendance. Des noms. Aujourd'hui, on ne va pas encore entrer dans ce débat qu'on a toujours fait dans le bala ici. Au-delà de ces noms, il y a sur TikTok quelqu'un qui fait rire comme ça. Il dit les Congolais. Les adjectifs, les moi, les médicaments, ce n'est pas des prénoms. Franchement, ce n'est pas des prénoms. Mais au-delà de ces prénoms, Loufoque est bizarre. Arrêtez aussi ces vieux prénoms. Genre, moi, mon enfant va naître aujourd'hui. Un petit garçon. Gaspard. Petit garçon. Adolphe. Ou alors. Gaspard. Des noms. Gaëtan. Et puis, des fois, on fait des CD. Bonjour. Combinaison. À tous les Gabonais qui nous suivent. Philippe Gérard Michel.
C'est patience, quoi? Patience parfaite. Bon, on ne compte personne, mais vraiment, faciliter la tâche à vos enfants. Pardon. On va souffler, on va revenir parler de plus sérieux. Non, non, sérieux. Faciliter la tâche à vos enfants. Exétat. Examen d'état. Aubergine. Aubergine. Diamant Philippe. C'est une guéante, des trucs comme ça. Non. Non, sérieux. Il fatigue les enfants pour rien. Trio ye bebe be jeki ny corona virus de chekte baka ngel nyara nan wumba be yanya na borose bege dan bao diferit de li de doso de sulki de teyendi du yozi dar na ba elena singenda na yufa de ne chekte de samna patin zo kangarafu ni bikanda nyu etoile 844 dies eranya zi milioni inuwa wenje ke corona virus te chek te dulinya rnga adi bele ze be chek nyate na muganya na bgazo ze si yefiri nya roze anyo zo le sin ni corona virus de faten chek te de pa we wa kazo badin du endela na da kota te mara do na nya na ya da kota we nu wan basa e de mara na fu mara na ya so wa angiti da baka ando da perna mere nga nga ne ngukwa tsha coronavirus pienu ku guna mwanga na aliep nga no kwae te bo freke tsien ku dont ngalman ku tutan tsha de liep ki yin ya li ke tan wasia nga eta puk aput yin etoile ko bini pina na nga na yes ni bini yen de mbok ko bi bun tsien tsha de pienu nga ngi nga ne ning e puk le pukut uf abu gudna le tiebu nganne abuna mwa e bua nga nga mbat le bugde mam nga no san dogda bole mbak ia bi abu fute bole dogda mba nga mbang nga no tutu chona le yikomba nga no war bititli tu huganja si huruna bakuv ininga balora gruvna mbimun karo huru coronavirus be ei kataki gibu teleba babebu at bn ini ko abubana te men be to way welena te kegdum yadugo te bem tamon kanyi kayuma yumi kahaw tile kam bataka ho na batel vuragr ka iga tangar bu jugun etoile lem ininde upenan mna yes nidiba hak tam bim gu fetg so odugum ini ko abu tanti menti jugun kabagbem ku vi iniga kunyalan ni lumbaloguna bubem balla meuli kam bagna vuli le gete ti du umburagri en san dogdu kun arum vun kuni dogdu vun ben tang wi bu bamu alili bu ob genta le bant valgum bebu gomnu bermgun un lobi kobu poje jes bazi yem mun na baran coronavirus ko e nengande yamba neze pawenke je yoyo boyo warende ruwa na zerbuzu na ruhuzi todo soyo chewa ir katre den pai dite yundu nerba mbole ma etoile 844 10 sonorike na bakaz nyande ko ikrai padam do e ya egbon ogbonge ke de ngbe pe yo porong betele nezmani zi yo kande yo we chamiyo yenyi no ze nyi bda jamigo yo wolo fara to me ndiru nyotana pam nyorda ya nyotne fero wene ze ezm edatumi edewo kobia tenya bato nabi binga ene tigbe nkoy ba no chejmo kage futika bu lamba aron kuro visiefe fue ichebo ayiru juenga ayiri no jafuani kakebo afonga kika ya kpade ki akori ki ajoma be na futi kajo lamba tebo sife tinombe banta etoile 844 10 onye mini ogoro ogoro kiri ayina mayebu na jakayepo oje ni abulamba efe tan wokena rikibi ayina ko tegba uchebo aranwe ko kon foye gboma na folamba ebuwe na lonle abere isome na mi na kari agbono otito ako kirinta nyapo obeni kancheche fu anrifu aroye
c'est les invitations à aller vous faire vacciner, à aller prendre votre dose de vaccin contre le coronavirus partout au Togo. C'est dispo maintenant. Depuis, c'est dispo même depuis. Allez prendre votre dose. Alors, madame, dans votre enfant, elle s'appelle comment? Awa. Awa, oui. Wadja Awa Dolim. Wadja Awa. Dolim. Dolib. Ah oui, c'est Bassar, ça. Bassar, oui. Dolib, je veux dire... C'est la première fille de... C'est la Prefina. C'est Prefina. Prefina Bassa, c'est Dolib. Ok. Ah non, c'est la première fille. Oui, de notre clan. Ok, comme on a des... Noufo. Noufo, c'est... La première fille, clan Ataka. Ok. On a de jolis noms là. Ouais. Emia Dassik, pas bien ça. Saddam Hussein, Emmanuel Macron, mon œil. Regardez-moi des choses comme ça. Alors, notre petite Dolly, vous dites qu'elle a 13 ans. Oui, elle a 13 ans. Et c'est à la naissance que vous avez découvert sa maladie ou bien vous saviez déjà ça pouvait être diagnostiqué dans le ventre ou comment? Oui, ça pouvait, mais en ce moment, non. Enfin, on n'avait pas su... Durant les échographies, on n'avait pas su qu'elle avait un handicap. Tout était normal. Tout était normal. J'ai fait les échographies, j'ai tout fait, les analyses. Bon, c'est à sa naissance. Bon, à sa naissance, je sais qu'elle est sortie avec le cordon. Autour du cou. Mais dès que la sage-femme a ôté ça, elle a fait son premier cri. Elle a crié. Mmh. Mais moi, je n'avais pas su qu'elle avait... Même à l'hôpital, ils n'avaient pas su. Ils n'avaient pas repéré ça à l'hôpital. Non, ils n'avaient pas repéré. C'était à Toko, ils n'avaient pas su. À quel moment est-ce qu'on a diagnostiqué? Oh, c'est quand elle a commencé par avoir un retard de s'asseoir, retard psychomoteur, elle ne sait pas lever. Souvent, mes enfants, déjà à un an, commencent leur premier pas. Elle est la deuxième fille. Le deuxième enfant. Donc, déjà à un an, elle devait se lever, elle ne faisait pas comme son frère avait fait. C'est comme ça que j'ai commencé. Les gens venaient. Les gens, d'autres savaient que ma fille avait un handicap, mais les gens venaient plutôt pour, par curiosité. Pour regarder. Même. Voilà. Hey. Et puis, les gens nous visitaient, moi, je n'avais pas su. Ah, c'est pour venir voir la bête de foire qui était chez vous, méchanceté. Vraiment. Donc, c'est une tante qui, on est allé, j'avais perdu mon grand-papa, on est allé au funérailles. Les gens observaient tellement mon enfant. Je ne savais pas. J'ai même remis ma fille à une cousine le temps d'aller préparer sa bouillie. Elle vient me la remettre comme ça. Elle dit, oh, le temps de retourner, la bouillie s'est enfoncée dans l'eau chaude. Elle dit, oh, toi aussi. Mais jusqu'à là, je ne savais pas. Vous n'aviez pas... Oui, mais c'est qu'elle avait un retard. Elle ne faisait pas comme... Et c'est une tante qui m'a appelée, qui m'a dit, dès que je reviens, le mieux de voir les médecins parce que... C'est pas normal. Awa est malade. Je dis, elle est malade. Que oui, je ne vois pas, elle ne fait pas comme son frère. Elle a un an. Puis elle avait un an. Je dis, ah. Je me suis dit que c'est parce qu'elle avait la forme, elle avait un poids. Je dis, oh, c'est pas à cause de son poids que non. Oh, c'est pas parce que vous pensez que c'est parce qu'elle était. Je dis, oh, c'est pas ça que non. Et effectivement, de retour à Lomé, je suis allée voir les médecins. Je suis allée voir, c'était le feu professeur Bakonde, père son âme. Je suis allée, j'ai visité plein, m'a envoyé vers l'autophoniste. C'est l'autophoniste qui m'a dit très chaudement, ah madame, votre fille, elle a la trisomie 21. J'ai dit, ah, c'est quoi ça? La trisomie 21. En ce moment, il y avait un feuilleton qui passait où deux jumelles étaient, une était trisomique. Donc j'ai dit, ah. Et il m'a dit, ah, tu suis le film là? J'ai dit, oui. J'ai dit, oh, c'est ça. Un choc quand même. Hein? Oui. J'ai dit, mais. Et puis, comment ça va se passer? Et il m'a dit, ah, malheureusement, c'est à vie, mais on va l'accompagner. Donc, bon, à un an et demi, elle s'est levée, à 18 mois. On m'a montré une femme, je suis allée, on m'a fait. Elle m'a fait les trucs, les produits, je les lavé et puis effectivement elle s'est levée. Et j'ai souffert comme ça.
Mais ça doit être handicapant parce que pour vous, ça doit, vous demander, oui. ça doit demander de l'assistance tout le temps. Oui, oui. Ça j'avais doit vous perturber, vous, dans bien vos activités. Bien sûr, j'avais une domestique qui s'en occupait, mais les gens, quand je sors, ils vont les gens, non, les gens viennent lui dire, tu es assise, tu t'occupes de ça là. Ça va te contaminer. Mais les gens, j'ai entendu ça. Donc ça va être difficile de conserver les domestiques. Oui, mais celle-ci, elle était vraiment gentille. Elle a, quand je reviens, elle me dit ça. Je dis, oh, ne les écoute pas. Ça ne se contamine pas. Ça ne se contamine pas. Et au fur et à mesure, Dieu étant Dieu, j'ai eu aussitôt la grossesse de son petit frère. Okay. Donc, lui, il est venu combler vraiment la joie. Mmh. Lui, il était vraiment... Donc, ils s'amusaient ensemble. Mmh. Et je profite de dire à mes sœurs qui ont ce problème, il ne faut pas s'arrêter sur l'enfant qui a problème. Oui, il des faut fois, prendre la grossesse. Peur, non. Fois, tu as peur. Parce faut... qu'il y a aussi des expériences comme non, ça, que ça s'enchaîne. Dieu, Dieu est Dieu. Dieu est bon. Il y a le cas d'une Togolaise qu'on est en train de gérer. Le consulat, les ressortissants togolais à Dakar, on va leur faire un gros coucou, qui se sont cotisés pour rapatrier une jeune dame, même pas la trentaine, qui en a comme ça deux sur les bras, qui souffrait grave à Dakar. Et elle est rentrée récemment, il n'y a pas deux semaines. Elle est dans le cloto avec sa famille. Bon, quand elle est rentrée, elle n'avait pas de famille. Son papa serait, sa maman serait décédée il y a 3 mois. Il n'y a pas papa, etc. Donc, l'association, là, ils ont pris des contacts. Et puis, elle est, actuellement, elle a besoin d'aide parce qu'elle ne peut pas bouger. Oui. Elle en a deux grands comme ça sur les bras. Un garçon, une fille. Oh, elle ne peut mais rien faire d'autre. C'est pas facile. Pour aller, c'est extraordinairement difficile. C'est très difficile. Et on se prépare, on a touché les autorités du ministère pour voir comment lui apporter. Comment lui porter assistance. Et l'assistance de tout le monde, aujourd'hui, est requise pour que cette dame puisse... Mais vraiment, les Togolais au Sénégal, gros, gros merci. Jonas, merci beaucoup à toi pour la mobilisation, pour les efforts pour cette dame-là. Donc, c'est clair. Les gens, des fois, ont peur. Oui, mais ça marche. Hein. Quand un arrive comme ça... Oui, et puis c'est lui qui traîne l'autre. C'est son petit frère qui l'a traîné. Ils s'amusaient toujours ensemble. Et puis, elle a commencé par faire ses pas. C'est la parole aussi. Oui, la parole aussi venait. Je remercie encore cette domestique-là parce qu'elle a été vraiment gentille envers moi. Donc, et puis... Vous l'avez scolarisée à quel âge? Oh, c'est... à 6 ans. Quand je l'ai amenée... Dans une école spécialisée Non, d'abord dans une école privée de notre quartier. Son petit frère a commencé l'école avant elle. Donc quand je l'ai amenée, ma fille était toute fière. C'est elle là Non, c'est des photos qui passent. Donc elle était toute fière d'aller à l'école. Nous sommes partis. Et le lendemain, papa est parti faire les inscriptions. Le lendemain, je suis partie. Il dit, je viens voir comment ma fille a commencé l'école. Le directeur m'appelle. Vous êtes la maman de cette fille. J'ai dit, oui, désolée de vous dire, madame, elle n'a pas sa place ici. Il faut l'amener vers les éducateurs spécialisés. J'ai dit, que oui. Il dit, d'accord, c'est pas grave. Je me suis retenue. Nous sommes revenus à la maison. Elle a passé encore 4 ou 5 ans, puisque l'éducation spécialisée, l'envol, c'était en ville. Or, elle ne peut pas être, moi, je me déplace en moto, je n'ai pas. Donc, elle ne peut pas s'asseoir à moto pour que nous venions vers... Je suis venue voir l'envol de solidarité. J'ai vu le directeur, j'ai vu plein d'enfants. C'est bien. Mais c'est la distance. Voilà, c'est la proximité pour faciliter. Voilà. C'est la distance. Donc, comme elle est en retard, si comme moteur, elle ne peut pas s'asseoir. Elle ne peut pas s'asseoir en moto. Il faut l'attacher avec tous les risques possibles. Je l'ai laissé. C'est quand elle a encore grandi un peu, je suis partie voir une autre école, le directeur fondateur. Je l'ai supplié. Je suis allée à la maison. Je l'ai supplié et puis... Elle a pris ma fille, c'était en 2019 là seulement. Elle était fière. Et avant, chaque matin, elle sortait, elle reste comme ça, elle regarde les autres enfants. Elle passait à l'école. Et puis, elle me chantait à l'école, à aller à l'école. Je lui ai dit que,
Le directeur a dit que ta place n'est pas là-bas. Oh, donc, oh. Il faut patienter. Quand j'aurai les moyens, je vais t'amener de l'autre côté. Et puis, elle était là, elle faisait. Elle, à un moment, elle ne demandait plus. Mais elle a repris de l'autre côté. Elle était très fière. Quand Corona aussi est venue tout gâter. Cette affaire là même. Donc. Donc, maintenant, elle est où? Oh, maintenant, bon, l'année qui a suivi, elle a repris là-bas, mais là-bas aussi, je sens dans leur visage qu'ils ne peuvent plus, mais ils ne peuvent pas me dire. Ils ne peuvent plus parce que, d'abord, ce ne sont pas des éducateurs spécialisés. Ils veulent bien, mais... Mais ils n'ont pas les outils. Ils n'ont pas les outils. Et puis l'enfant, les enfants trisomiques qui sont très difficiles, puisque c'est un retard mental. À force de faire la même chose tous les jours, elle est fatiguée. Oui. La première année, elle était motivée, elle allait au tableau. L'année qui a suivi, encore, elle est à la même classe, elle fait les mêmes choses. Quand le diawa va au tableau, elle ne va pas. Donc, elle faisait des... Des caprices. On va dire c'est un enfant récalcitrant. Voilà, non, c'était des caprices qu'ils n'arrivaient plus à supporter, mais leurs visages ont changé par rapport à... Et j'ai dit, bon, cette année... On va aller à l'envol. Le premier jour, je l'arrange, nous partons à l'envol. On dit que la rentrée n'est pas effective. On va nous appeler. Jusqu'alors, elle n'est pas effective. Pourquoi? Normalement, la rentrée est faite à la même date. Oui, bien sûr. Que dans les écoles pour les enfants supposés, les enfants normaux. Pourquoi est-ce qu'il y a ce retard de rentrée? Le directeur dit qu'ils n'ont pas les outils didactiques. Ils n'ont rien reçu de l'État. Donc, pour amorcer la rentrée. Oui, pour amorcer la rentrée. Il m'a cité plein de choses. C'est professionnel, quoi. Qu'ils ont besoin de ça, les jouets, les quoi, beaucoup. Et c'est l'État qui leur donne ça? Oui, c'est l'État. Généralement. Généralement, il y a aussi le matériel d'entretien, les papiers hygiéniques, l'eau de Javel, les torchons, machin. Mais les parents ne contribuent pas? Oui, les parents, que dans les années passées, les parents donnaient du papier hygiénique à leurs enfants pour amener. Mais avec le temps, bon, je crois que c'est à cause de la crise sanitaire ou quoi. Bon, je ne sais pas. Bon, si c'est que ces papiers, tout ça, les parents doivent s'en charger ici pour que les enfants puissent retourner à l'école. Oui, si ça ne tient qu'à ça. Mais maintenant, si ça ne tient qu'à ça, c'est ce que je dis. Si maintenant, ça ne tient qu'à ça. Par rapport aux outils didactiques, tout ça. Oui, les outils didactiques. Puisqu'ils ne vont pas quand même aller seulement nettoyer, laver, manger, non, laver les assiettes. Il faut apprendre. Voilà. C'est pour apprendre à la base. Voilà. Et maintenant, vous lancez un cri, vous lancez un appel à mobilisation pour qu'on puisse vous soutenir, soutenir les écoles en vol, les écoles spécialisées pour la rentrée effective des classes pour que les enfants puissent retourner à l'école. Quand vous lancez cet appel, c'est pour récolter quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous cherchez? Oui, nous demandons les outils, par exemple. Puis c'est là, on va s'approcher au directeur, les enseignants, ceux qui connaissent ce dont il s'agit. Et puis, ils vont lister tout ça là. Et puis, et tout ce qui... Oui, mais si vous aviez une idée, normalement, en lançant l'appel... Oui, il y a ça dans mon portable. OK. Maintenant, est-ce que c'est pas tant vous fournir ces choses-là, mais peut-être c'est envoyer de l'argent pour que les spécialistes sachent quoi acheter avec. Ou alors peut-être aussi lister aussi ce dont vous avez besoin. Parce qu'il peut y avoir des services, des bibliothèques, jouets, des librairies. Voilà, il y a les jouets. Des maisons de jeux qui peuvent s'intéresser et offrir ce dont ils ont besoin. Oui. On va aller chercher le téléphone de madame. Je ne sais pas, vous pouvez. D'accord. OK, et le téléphone est où? Il est dans votre sac. Le caméraman va nous apporter le sac en direct. On va prendre le téléphone pour que vous nous listiez ce dont vous avez besoin précisément. Là, s'il y a des gens qui peuvent offrir, ils vont offrir pour que la rentrée démarre. Parce que sans ces matériels-là, la rentrée ne démarrerait pas. Les enfants sont à la maison. On parle d'inclusion sociale, là. Oui. Ça fait quand même 2 semaines que... Oui, deux semaines de retard. Ouh là là. Un gros retard comme cela. Ouh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là.
C'est... Ah. Il y a comme ça des... Il y a plein, oui. Il y a plein de parents peut-être qui gardent leurs enfants à la maison. Hein? Oui, ils gardent les enfants. Je vous envoie ça. Et... Oui, envoyez, oui, envoyez-moi ça. Je... Bon, entre-temps, en attendant de continuer, quelqu'un qui dit, j'ai eu un étudiant appelé Platini. Déjà, comme ça, il ne sait même pas jouer au foot. Il ne connaît même pas la forme du ballon de foot. On l'appelle Platini. Donc, je veux votre chapeau. Il n'y a pas de souci, venez prendre. Il y en a pour tout le monde. Pour tous les goûts, pour tous les âges. Non, pour tous les goûts, pour tous les âges. Tout y a mignon. Pour toutes les couleurs. Et quoi? Eh bien, Tawari. Donc, il y a aussi d'autres parents n'arrivent pas à mener leurs enfants à cause de la distance. Et que... quand chaque matin, l'enfant doit venir avec 300 francs. Et c'est avec les 300 francs-là que les éducateurs font de la cantine à manger aux enfants. Et à 14 heures, ils font une journée continue. Nous allons aller les chercher. Et puis on donne, je crois, 11 000, on doit payer 11 000 pour le courage ou quelque chose comme ça. Dans les centres en vol? Je crois. Ok. Maintenant, le truc aussi est que les centres ne sont pas décentralisés. C'est seulement en ville, c'est ça? Oui, c'est seulement en ville. Il y en a à Nukafu. À Nukafu, à Solidarité et à Bé. Maintenant, si j'habite Sobosito, je fais comment? Justement, j'habite Sobosito. Si j'habite Bagida, vous habitez Sobosito? J'habite Sobosito, j'habite Kové. Mais c'est une trotte que d'amener l'enfant à l'école. Voilà. C'est pour ça. Si j'habite Bagida, je fais comment? Mais des parents peuvent déjà s'organiser. S'il y a des parents dont les enfants dans chaque zone sont en ville, par exemple, des parents qui sont véhiculés, bon, vous pouvez s'organiser. Pour... Parlant des parents, la veille, une maman est venue me voir. Ah, Madame la Présidente, je viens voir comment nous allons faire pour amener nos enfants à l'école. Mmh. Quand je l'ai vue venir, j'ai dit, je sais ce que tu ressens. Oh. Parce que depuis... que je prépare la rentrée, je sens la même chose, je ressens la même chose. Bon courage à toi. Oh. Et j'ai essayé. Oui, mais dites-moi, levez mon inquiétude. C'est l'association des mères amies. Des enfants trisomiques, oui. Pourquoi ce n'est pas les parents? Oui, c'est pour parce ça que toi. C'est comme s'il n'y avait pas papa. La femme porte. Et puis, ce n'est pas fou. Là, c'est la femme c'est qui la porte femme plus de fardeau. Vous confirmez, madame? Oui, je confirme. Enfin, c'est pourquoi on a dit enfin, mère, parce que c'est la mère qui ressent plus. C'est ça, là. C'est elle qui porte cette plus de douleur. Fardeau. Vos maris vous soutiennent, les hommes vous soutiennent. Moi, sans le soutien de mon époux, je ne serais pas debout ici. Donc, ils nous soutiennent, mais c'est. Enfin. C'est une mère qui... C'est pas comparable, c'est la mère qui porte l'enfant. C'est toi qui portes, c'est toi qui sais. À chaque fin d'année scolaire, à chaque rentrée scolaire, mes frères, quand je rentre, tu vois, j'ai accouché avec tant qui a sa fille en cinquième. Ma fille devait être en classe de cinquième. Mais aujourd'hui, elle est... Il ne faut pas voir tout ça. Non, je ne chacun vois pas. Chacun a son étoile, vous savez. Oui. Chacun a son étoile. Chacun a son donc, étoile. Donc, c'est... Donc, on a dit amis, bon, tout le monde. Oui, c'est... Tout le monde peut être membre, parce que ça peut arriver à tout le monde. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous n'aurez jamais pensé que vous auriez un enfant comme ça. Mais là, est-ce qu'après, ils vous ont dit un peu à l'hôpital ou ailleurs, ce qui a causé, qu'est-ce qui aurait pu causer ça? Est-ce qu'ils vous ont expliqué? On dit que c'est le syndrome, c'est un chromosome de plus. Mais pourquoi c'est arrivé? Il n'y a pas la cause. Oh, c'est une malformation, c'est un accident, c'est... Voilà. C'est un accident, ça peut arriver à tout le monde. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est les scientifiques qui sauront mieux expliquer. Donc, ils n'ont pas dit peut-être que vous vous énerviez, peut-être que vous mangez ça, peut-être non, que vous... Ils n'ont rien dit. Non. Parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Oui, c'est l'occasion de faire connaître vraiment cette maladie à la population. Les gens ont des pensées négatives autour. Quand tu as un peu les moyens et que tu as un enfant pareil, les gens pensent que tu en as plus. Ça revient sur Poga. Donc, il faut que les gens cessent. La première fois que je suis allée au marché d'Agoua assis avec ma fille, waouh, les gens nous ont regardés. Les gens nous regardaient et ma fille, elle comprend français, elle va... J'ai dit, Awa, va acheter du gingembre. Je l'ai fait sciemment comme on nous regardait. Et elle est allée, madame, ça d'automne. Et puis on lui a vendu. J'ai dit, prends l'argent, tu donnes à maman et tu m'amènes le gingembre.
Et elle a fait ça. C'est ça. Les gens, ça dit pour montrer aux gens que quand tu leur donnes de l'affection, quand tu l'associes à ce que tu fais, elle peut être autonome. Ma fille se lave, elle lave ses petits frères. Enfin, là, un petit frère essaie de... Quand je suis à la cuisine, elle m'apporte... Oui, elle m'aide. Quand tu parles de « aujourd'hui, on ne peut pas Colico », elle amène tout ce qui entoure Colico, la préparation. Si c'est à demain, tu arranges, elle t'apporte l'huile rouge, elle t'apporte la potasse, tout. Donc, on ne peut pas, ils sont... Non, ce n'est pas des monstres. Non. Jusqu'à ce que ça ne vous arrive à vous-même, vous ne comprenez pas ce qu'on dit, quoi. Jusqu'à ce que mais souvent, on incrimine par rapport à ça des... vous avez des animaux de compagnie, chien, chat à la maison? Non. Parce qu'il paraît que oui. Il paraît que c'est les poils de chien, de chat notamment, dans les premiers mois de la grossesse qui sont incriminés. Oui, aussi. Aussi dans la trisomie. Oui. Les poils de... C'est pour ça que les premières échographies sont très, très importantes parce que c'est décelable. Par rapport aux lectures, les premières, c'est trois, quoi, vu du premier trimestre, ça permet de Mais, mais madame, vous, quand vous avez eu la grossesse après Awa, est-ce que vous n'avez pas de crainte? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites différemment? Non. Pour, tout ce que j'ai fait, je m'asseyais pour laver le linge à un âge avancé de la grossesse. La seule crainte, c'était que aucun de mes enfants ne sorte plus avec un cordon au cou. Autour du cou, parce que selon le EG que nous avons fait, l'oxygène n'a pas eu, n'a pas eu à véhiculer dans son cerveau. Et c'est le professeur Bello que je salue. Merci beaucoup à lui. Si cette association est sur pied, c'est grâce à lui. Il est le neurologue de ma fille. Et c'est grâce à ses conseils. Donc, je m'assieds pour laver le linge ou tout ce que je fais. Je ne me courbe plus, juste ça. Mais je n'ai plus de crainte. Donc, parce qu'on a dit que peut-être parce que vous vous courbiez, que... Le cordon. Mais je me courbe. Inch'Allah. Inch'Allah, vraiment, Inch'Allah. Et puis, j'avais foi en mon Dieu qu'il ne va plus me faire ça. Oui. C'est clair. Oui. Allez, parlons de ce dont ils ont besoin pour commencer la rentrée. Le matériel didactique, déjà, c'est les jeux d'encastrement. Là. Ils ont besoin des Lego. Ils ont besoin de peinture à eau, de pinceaux, de ciseaux, de balles de tennis, de ballons, de baudruche, de pastels, de cubes à empiler, de quilles, de plots, de rames de papier. Ça, on peut... Les bonnes volontés peuvent donner. Oui, c'est clair. Bien sûr. Les trois écoles sont... Les enseignants partent, restent, repartent. Les enfants sont à la maison. Non, mais vous faites des lobbies. Allez vers des magasins de peinture. Oui, des magasins. Allez vers des magasins qui vendent... Ma soeur, ce n'est pas facile. Ah, wow, je sais. Il y a rien qui est facile. Prendre en charge un enfant comme ça, c'est déjà pas facile. Donc, il n'y a rien de plus difficile. Donc, allez avec les machines de votre association... Et avec les gens de l'école, dites-leur, contribuez à ce que nos enfants ouvrent la rentrée, qu'on commence la rentrée. On a besoin de peinture. Moi, je suis sûre que si vous allez dans un magasin de peinture, ils ne refuseront pas de vous donner de peinture. Si vous allez dans des librairies, que ce soit Star, Bon Pasteur, Technolet Librairie, qu'on a besoin de pinceaux, de ciseaux, de colle, de papier, rame, de machin... Vous allez récolter. Moi, je suis sûre que vous allez récolter pour pouvoir assurer la rentrée. Ça, c'est que le matériel didactique. Vous avez besoin par rapport à l'entretien de javel, de serpillière, de grésil, d'essence, de citronnelle, de savon liquide, au mot. Oui, ça, vous pouvez aussi mobiliser et les parents aussi peuvent contribuer. Les parents aussi. Et puis, pour le sanitaire, gel, douche, cache-nez, pain de savon. Ça, on en a déjà. Le gros, c'est le matériel pédagogique. Voilà, c'est ça. Il y a des magasins de jouets qui peuvent... Tiens, aujourd'hui, comme la mort n'est plus loin, là, tout le monde veut faire quelque chose de bien. Au moins, si là, vous ne faites pas ça avec son cœur, quel que soit le cas, l'essentiel est que vous ayez la chose. Ou alors, si vous avez les moyens, vous donnez de l'argent, vous envoyez de l'argent, et puis ils s'achètent ça. Non, mais sérieusement, ce n'est pas compliqué, cette affaire. Ce n'est pas compliqué. Heureusement qu'il y a une association qui est constituée, qui a eu l'école qui est là,
qui assure la chose, la rentrée n'est pas effective. Mais prenez, faites la délégation avec l'école, avec vous, l'association. Mais oser, c'est juste parce qu'on n'ose pas rentrer dans les magasins. Justement, c'est pour ça que j'ai écrit dans le groupe. Oui. Pour que, parce que je sais que dans notre groupe de santé et éducation, je sais qu'il y a les bras, les longs bras, les oreilles qui peuvent m'écouter. C'est pour ça que j'ai lancé. C'est pas tous les bras qui aident aussi. C'est pour ça que j'ai lancé. Des fois, l'aide ne vient pas de où tu penses. Là où tu penses qu'on peut t'aider, là. Ouais. Oh, on va pas t'aider. Moi, c'est vrai que moi, j'ai vu le post. Ça m'a parlé, ça m'a dit, mais tiens, c'est pas possible. J'ai dit, bon, venez, qu'on relaie l'information au plus grand nombre pour que les gens puissent contribuer à aider. Oui. C'est long bras, ça. Si, merci, ma chérie. On ne sait même pas qui nous suit là, actuellement. Qui pourra, qui a deux fois nos bras. Vous savez, depuis que nous grouillons, depuis que nous courions, ça dit la maîtrise, c'est les femmes qui m'écoutent. C'est normal, c'est nous qui faisons le tour. La directrice de la NADAB, je lui dis encore merci. Madame Kadanga, Madame Kadanga, merci beaucoup. Très grand cœur. Madame Christelle Dico, la directrice. Christelle Optique. Oui, très la grand directrice aussi. De. Oui, c'est notre marraine. Merci encore à elle parce que je suis allée. Quand j'ai vu le magazine, je sais qu'elle est la directrice de publication. Je suis allée pour mes verres, je n'ai pas hésité. Mais la dame, elle m'a reçue. C'est grâce à elle que l'édition passée, nous avons pu sortir. On est sorti, on est allé à l'envol solidarité, offrir des cadeaux. Je remercie également madame la ministre de l'Action sociale, ils nous ont aussi fait... J'ai dit, faites jusqu'à va remercier un homme aussi un jour. Donc, jusqu'à va remercier vous êtes la quatrième dame qui a eu confiance en moi, vous voyez. Je remercie aussi la présidente de l'OMS parce que j'ai demandé à la voix, parce que je sais que quand une femme... Finalement, j'ai dit, je m'adresse aux femmes. Vraiment, là. Parce que c'est elles qui portent, c'est elles qui savent comment ça fait mal. Quand j'ai demandé à la rencontrer, là, elle a délégué le docteur Abdelaziz, que je salue également. Ils m'ont écouté, ils m'ont fait leur coup de main. Et on était à la mairie d'Agoué le mois passé et on a fait des dons à l'endroit du marché d'Agoué pour sensibiliser nos sœurs. Sur ce mal. Puis s'ils ne connaissent pas la maladie, c'est le problème. Quand quelqu'un traîne son enfant, ils ont des prénoms bizarres, ils donnent et puis... Les parents, finalement, ont... Oui, les gens cachent leurs enfants. Les gens c'est pas bien. En les cachant, on ne les aide pas à s'épanouir. Voilà. Donc, allez, où est le compte? Où sont les contacts? Filmez, zoomez sur les contacts. Les contacts se font voir. Ouais. C'est ça au milieu du dépliant, là. Oui. Les contacts, 93, 87, 23, 23. Oui. 93, 87, 23, 23. Quelqu'un a lunettes, mais il va devoir. Déjà, 99, 34, 63, 34. Voilà. Vous prenez les contacts, vous prenez... Non, ne sortez pas encore l'affiche, ramenez l'affiche. Ce qu'on va faire, vous allez prendre une photo de l'affiche, chers amis, et vous avez tous les contacts, et vous pouvez les appeler, les aider. Ciseaux, papier, mon ami, si même si on en est pour l'entreprise, mais fou, Milouenao, pinceau. Lui, c'est un dessinateur. Il dort dans la peinture. Non, c'est pas moi, madame, c'est lui. lui, c'est un dessinateur. Madame me regarde, c'est vrai que je ressemble à un artiste. Mais non, sérieux. C'est lui, l'artiste. Des jeux. Il y a des magasins de jeux. Oui. Allez à Promo Store Déco. Oui. Allez à Orca. Tout le bénéfice qu'ils font là. Ils n'ont qu'à sentiment. Allez à Sotimes. Allez à des endroits. Il peut vous donner des quand vous partez, déposer les... Quand tu parles, même faire, ça dit pour parler aux gens, te regarde comme si tu es venu. Oh, ça m'énerve. Non. Tu es bien. Il faut aller. Je veux voir le directeur, que je veux faire une grosse commande là. Où ça y est là, je veux voir le directeur. Comme là. Si je veux faire une grosse commande et puis on rentre dans le bureau. Non, vous n'allez pas vous dire. Je veux commander un conteneur de papier. Excusez-moi, mais c'est pas la dame ou bien le monsieur qui est à l'entrée là. Faut pas aller faire comme si, oh bonjour, bonjour. J'ai arrangé mon pantalon maintenant.
Oui, bonjour. Où est votre directeur? Je peux rencontrer, s'il vous plaît, le responsable de la... Le pot d'Ouara, alors. Mais... Avec assurance. Ouais. Donc, lui-même, il ne sait pas. Est-ce que c'est Ford qui a envoyé cette dame? Ou bien est-ce que c'est Ban Ki-moon? Genre, on se pose des questions. Le responsable, mais avec assurance, mais il voulait le coucouneyo. Il est en train de vendre ou bien. Je suis venue en tant que potentiel client, partenaire, fournisseur. Il ne sait pas. Mais genre, et puis donc le responsable, vous l'avez dit, il faut que le responsable sache que c'est un honneur pour lui de vous recevoir. Pour que vous lui demandiez son aide. D'accord. Non, sérieux. Non, sérieux. Mm-hmm. Il faut que nous puissions contribuer à... Oui. Mm-hmm. Et c'est vrai, payer la dîme à l'église, tout ça, oui, mais vos cotisations et tout ça, là aussi, peuvent servir à des trucs directs. Surtout que mais c'est aussi paie, ça, la dîme. Surtout qu'on paie la dîme, on se cotise à l'église et puis on voit ce que, des fois, l'église fait avec notre argent. Oui, mais c'est aussi ça, c'est aussi ça, la dîme. On voit ce que ça fait avec notre argent. On est walaï. Non, sérieusement. Les numéros, gardez-les, s'il vous plaît. Un geste pour ses enfants. Un geste pour ces enfants, pour que la rentrée soit effective à leur niveau, s'il vous plaît. Ma sœur, courage, regarde avec la mienne à côté, c'est dur. Voici un autre parent, ça. Yako. C'est bien cette synergie que vous faites de vous mettre ensemble. Et voilà, c'est mieux de crier vers nos autorités. Il faut laisser les autorités tranquilles un jour. Nous-mêmes, on n'a qu'à faire ce qu'on peut faire. L'autorité va venir ajouter pour lui. C'est 413 B. Nyekonakwe, Witi et Solidarité. Maintenant, pourquoi est-ce que vous mettez tout à l'omé? Nyekonakwe, c'est ce que la dame a dit. Non, c'est ce qui est fermé là. La dame a dit à la base 400 qu'ils ont fermé. Non, ce n'est plus 4. C'est là où les privateurs ont vendu le terrain. Puis il y a la problème. Il y a un problème dans la gestion de l'argent. Et puis après, même l'État a pu toutes ces zones-là déclarer. La personne qui ne nous reprenait pas au parfum des nouvelles. Non, il n'y a plus Nyekonakwe. C'est Witi et Solidarité. Il n'y en a pas à Gwe. Il n'y en a pas à Ndogome. Il n'y en a pas à Zangera. Il n'y en a pas à Sobosito. Il n'y en a pas à Kam. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que. C'est ça possible. Qui complique en fait les, en fait, c'est les pas choses. Parce que c'est pas possible. Alors que beaucoup de gens habitent dans les périphéries. Bah oui. Les poils de chien ne participent pas à la trisomie 21. Elle est une anomalie due à une mutation génétique. Mais par contre, les poils de chat. Ah oui, c'est vrai. C'est pas trisomie, c'est la toxoplasmose. Oh, je suis bête. C'est vrai. Merci d'avoir rectifié. Merci énormément. C'est la toxoplasmose qui n'est pas loin aussi. C'est une maladie invalidante de l'enfant également. Oui. C'est ça, c'est la toxoplasmose. Les poils de chat. Les poils de chat. Dans les deux cas, nous, on a eu chien-chat. Oui, chien-chat. Dans les premiers mois de la grossesse, la toxoplasmose, c'est très important. C'est un parasite qui n'affecte pas la femme, mais c'est directement le fœtus que ça affecte. Donc, il faut faire très gaffe quand on est enceinte et quand on a des chiens-chats à côté. Oui. Les analyses des premiers mois sont très... Surtout échographie. Et puis, il y a une analyse de toxoplasmose, de prise de sang qu'on fait pour déceler ça. Heureusement que ça se décèle rapidement dans les premiers mois. Merci beaucoup d'avoir... C'est vrai. Pour la trisomie, c'est un accident, comme on dit. Tout se met en place, tout se met, puis bim, il y a un de plus. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, ne stigmatisons pas les personnes que Dieu a choisi pour abriter des enfants comme ça. C'est parce que Dieu sait que vous avez un grand cœur, vous avez beaucoup d'amour, que Dieu vous a envoyé cet enfant qui avait besoin d'amour au ciel. Ah, il sait que vous avez de l'amour à lui donner. Ce n'est pas tout le monde qui... Si le centre de Hanoukopé est déféré à Nyekonakwe. Ah non, c'était ici Hanoukopé. Là où on a vendu le terrain, puis il y a un problème d'argent. Là. Moi, il y a deux de ce matin-là. Non, là où on a acheté les enfants du terrain, et puis on a vendu, et puis il y a un problème d'argent après, là. C'est là-bas qu'a été déféré à Nyekonakwe. Elle dit, la personne dit, je suis parent d'un centre en vol. Okay. Ah, super. Ah, okay. Merci énormément. C'est vers où, Nyekonakwe, dites-nous. C'est vers où? Indiquez-nous. Mais vraiment, il faut délocaliser un pour envoyer à l'intérieur, là. Il faut envoyer un à l'intérieur. On attend. Hein. Je contribuais. Envoyez. Notez les numéros. C'est pour ça qu'on était allé voir le maire d'Agoué. Oui. Lorsqu'on leur a remis les vivres, enfin les dispositifs de lavage de mains, pour en faire un plaidoyer. Et de nous faire un centre.
Il faut demander à tous ces maires-là, ça n'a qu'à contribuer aussi, on va ouvrir. Oui, le maire nous avait, on avait déjà fait un plaidoyer. D'accord. Non, jamais là. Ou alors les maires peuvent faire des lettres. Des autorités comme ça peuvent faire des lettres de recommandation, de soutien, que nous reconnaissons cette association qui est dans le besoin, etc. etc. Nous vous prions de l'accompagner. S'ils n'ont pas d'argent, ils ont autre chose. Il n'y a pas que l'argent. Ils peuvent vous faire des lettres comme ça et vous allez vers les structures même leur cantine. Et demander. Parce que les écoles primaires sont dotées de cantines, mais les écoles d'envol n'en ont pas. Quand le parent, le jour qu'il n'a pas 300, son enfant reste à la maison. Surtout qu'ils sortent de loin à Didogo. Le trajet. Tu n'as pas 300 pour ton enfant, tu dirais ça à la maison. C'est pas facile. Non, sérieusement, là. On parle d'inclusion, mais l'inclusion, c'est à beaucoup de niveaux qu'il faut voir ça. Vraiment, sérieusement. En attendant que l'autorité fasse sa part, nous aussi, mobilisons-nous. Sérieusement. Mobilisons-nous. Ça me fera vraiment plaisir à madame ici, mais à ses enfants, de reprendre incessamment le chemin de l'école. Tous les matins, quand ses frères s'apprêtent, s'arrangent. École. Elle est là. La dernière fois, elle a mis la main comme ça. Oh là. Sur la table. Le chagrin d'un enfant, c'est pas bien. Pour une fille de 13 ans. Le chagrin d'un enfant, c'est pas lourd. Allez, on se mobilise tous, Novio. On se mobilise. C'est quoi le numéro? Renvoie le numéro. Moi, je vais faire ma contribution partie money en même temps. Oui. Yeah, il n'y a qu'un. Hein. On peut diffuser. Filmer dit une histoire inspirante d'hôtesse de l'air égyptienne trisomique. Hôtesse de l'air trisomique. Voilà, oui, il y en a. Il y en a là. Si on les accompagne, oui, si on les accompagne, en France, il y a une qui est quoi municipale, elle est quelque part là. Allez, attendez, je fais mon. Il y en a même une qui est devenue une star de cinéma. Oui, il y a d'autres qui sont dans le prêt-à-porter. Comment on les appelle? Mannequinat, oui. Waouh. J'arrive, hein, on fait le transfert là et puis on va suivre effectivement. Fibon va suivre l'histoire de. Renvoie le numéro 93. Non, sérieux. Allez, on envoie. Et puis, c'est bon. Ouais. Ah, madame Agbassi, Tachen, oui. Oui, voilà. Merci beaucoup. Et puis, voilà qui est fait. On a fait une partie de notre part. On va continuer par faire. Faites comme nous. Merci beaucoup. Mobilisez-vous pour. Merci voilà. beaucoup. C'est le numéro. Enregistrez-le. Photographiez simplement cette partie de l'écran. Et puis, vous allez aider ces enfants à reprendre l'école. Ils vont acheter tout ce dont ils ont besoin, les outils didactiques. Ou alors, si vous avez des enfants qui ont grandi déjà, vous avez des jouets que vous n'utilisez plus, on peut les ramasser aussi. Il y a plein de familles comme ça. Oui. Qui ont des Legos, qui ont des caisses, qui ont plein de jouets, des vieux sitôt jouets antivaux. Envoyez ces jouets à ces écoles-là pour ces enfants, s'il vous plaît. Vous pouvez le faire. On sait que vous pouvez le faire. Allez, on va suivre cette histoire de cette dame trisomique qui est hôtesse de l'air. Voilà. Et on revient juste derrière. Oui, c'est juste un retard que l'enfant. Firmé, qu'est-ce qu'il y a? Hein, elle est en train de repositionner. Ah, d'accord. Ok. Bon, c'est parce que. Oh, ok, un moment. Si vous cherchez sur Internet, vous allez voir. Oui, il y en a plein. Assez d'histoires. Oui. بالاجتهاد والمثابرة والتعب نقدر نعمل أي حاجة حتى لو كانت صعبة.
ان هي بعاطف علي اسعد طالبه في بكالوريوس اعلام بجامعه اي او يو قسم اذاعه وتلفزيون وانا عندي 23 سنه ومسيره مسرح السم واول مضيفه طيران من فئه تاون سنترم كل ما يتعلق بال ايه بالمتيفة قلت للأسدات هتجيب لهم الشاي والنسكافيه والقهوة والأكل والعصاير والنسكافيه والحلويات والمكلات الفكرة أصلا جميلة جدا والفكرة كانت من الأمم المتحدة وبذكر شركة بتر للطيران على اليونيفورم الرائع ده الرحلة بتاعتي ما كانت في مشاكل خالص انا كنت خايفة لاني انا عالمية بواجه جمهور كبير فمتعودة انا غيرت نظرة المجتمع دخلت من المدرسة بدون تمك والكلمة بتاعتي بدون تمك يعني منهج خاصة ما كانت فيه يعني امتحنت زي طلبة عاديين في الأمم المتحدة من بعد التكريم أنا بطلقت في مرفوع بس دمر حس أنا بتخبط حلم التنمية وفي حتة بتاعت طيب. يعني ما فيش حاجة اسمها مستحيل بالاجتهاد والمثابرة والتعب نقدر نعمل أي حاجة حتى لو كانت صعبة. C'est-à-dire que c'est émouvant. Vous avez plus de raison de cacher vos enfants trisomiques. Nous avons toutes les raisons de contribuer à leur éducation. L'histoire de cette dame nous prouve que, en fait, l'investissement qu'on va faire, la participation qu'on va faire, ne servira pas à rien. Mm. Parce qu'il y a des gens, des enfants parmi eux qui vont devenir quoi, je ne sais demain. Être différent, c'est normal. On a juste à changer notre regard sur la différence. Voilà. Sinon, le handicap, finalement, c'est le regard que nous portons sur les autres qui est le vrai handicap. C'est ça le vrai handicap. Hein? C'est ça le vrai handicap. Accompagnons la scolarisation de ces enfants. C'est triste qu'à deux semaines, après deux semaines de la rentrée, eux, ils n'aient pas repris l'école. Contribuons, disons-nous que nous participons encore, si nous le faisons déjà, nous participons encore à faire œuvre bonne. Tiens. Il y a plein d'associations qui font des dons après la rentrée des enfants dont peut-être les parents ont pu assurer le minimum. Ici, la rentrée n'est même pas effective. Hein? Magasin de jouets, librairie, société de vente de peinture, de fourniture, de bureaux, ou alors simple individu comme ça, ou argent, ou comme je le dis, les jouets de vos enfants qui ont dépassé l'âge. Les Lego, les jeux de construction surtout, les jeux éducatifs. Ramassez-les, envoyez-leur ça dans les centres. Et on a des précisions hein, de l'autre parent d'enfants trisomiques qui nous dit qu'en dehors des 4 centres de Lomé, il existe 5 autres à l'intérieur du pays, mais uniquement que dans les villes. Dans les régions. On a Akpalimé, Atakpamé, Kara, Sokodé et Dapan, mais que dans les grandes villes. Oui. Donc si, Déo, par exemple, s'il y a un enfant trisomique chez toi, dans ton coin de... C'est quoi ton quartier assis ou là-bas? Bon, il paraît que les gens de Molga même ils racontent. Oui, c'est pas vous. C'est Molga qui, il paraît que c'est belliqueux et puis, oui, c'est pas vous. C'est vous.
Non, le Morgan, il va quitter le Morgan jusqu'à... Borga, ça donc, fait référence à la rivière. En fait. Borga, donc de Borga à Kara. S'il y a un enfant trisomique à Borga, il faut qu'il vienne à Kara. C'est pas la peine. C'est-à-dire que le parent ne va même pas réfléchir à ça. C'est impossible. Ce n'est pas que c'est difficile. C'est impossible. Et on ne va pas dire qu'il n'y a pas un enfant trisomique dans la zone de chez vous là-bas. Il y en a forcément. Donc, mais la distance fait que l'enfant est condamné à rester dans son état comme ça. À rester dans son état. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Le chef de l'État actuel, il fait déjà beaucoup. Quand je vais prendre le pouvoir après moi-même, après, je vais continuer aussi dans la lignée. Je sais déjà les défis qui m'attendent. Je sais déjà, j'évalue déjà les défis qui m'attendent. Tu n'es pas là ce matin. Ah oui. Monsieur Agakpo, Boyangé. Super, merci, merci énormément d'avoir été avec nous. Félicitations encore et beaucoup de courage. On va continuer par se mobiliser pour vous, d'accord? On va continuer. On va peut-être encore, si la rentrée est effective, incessamment, on pourra toujours relayer l'information. Merci pour votre amour que vous partagez avec ces enfants. Je suis étudiante à l'Université de Lomé, je n'ai pas de matériel, mais j'ai de la volonté à m'engager à bras le corps pour cette cause. Merci. Ainsi, les matériels viendront. Je lance un appel à tous les étudiants. Nous pouvons aussi servir autrement que de faire des AG et des grèves, c'est vrai. Vous pouvez servir autrement. Cher à des étudiants, c'est vrai. Allez, bah, vous avez pris le numéro de la dame. Leur AG et grève peut-être va servir à cette cause. Ils pourquoi auront pas leur tranche et ils vont contribuer. Et puis ils vont contribuer. Voilà. Ouais. Pourquoi pas, vous avez pris le numéro de la dame, c'est vrai. Vous avez besoin de soutien. Il y a un monsieur comme ça, il s'appelle Roi Nouveau, il est étudiant. Il veut se joindre à l'association pour mobiliser les fonds. On a besoin de ça, un nom. Ouais, voilà. Merci. Vous serez peut-être le premier, on va vraiment manifester. Ouais, prenez le numéro, appelez madame, rencontrez-la, définissez des stratégies de guerre, les d'attaque. Les premiers hommes qui sont manifestés, c'est les papas de maman. Mais la Minya. Donc, au-delà de tout ça, donc, on est toujours là, mais on est en silence, nous, on est en mode santé, éducation. Allez, on n'en a jamais assez, on n'en a jamais tôt. Donc mobilisez-vous, que ce soit des dons en matériel, que ce soit de votre temps que vous donnez pour aller chercher les moyens pour que les enfants se scolarisent et soient bien. Les numéros sont là, manifestés, voilà. Alors que M. Akakpo danse, merci d'avoir été là pour nous. Merci d'être toujours là pour les enfants trisomiques aujourd'hui. Madame, et Isan Léon, on reste ensemble, merci on va beaucoup. Se mobiliser pour la suite. Bon, vous ferez un gros bisou comme ça à Awa pour moi. Merci beaucoup, je ne manquerai pas. Les amis, et Ishema, allô. À demain. À demain. Au complet. Au complet. Comment on rime, Nami ? À demain, si je viens. À demain, si tu viens, avec tes deux mains. Le miniti beado mekola na wasi coronavirus po abota nao anabe wonto kple wo amevevio miano dedie nonome anya emonu popo na mi be mi akpo mi afa ganya uta eye wagana be mi adogo anodu ajira adure azo ngulo wonko na abota sisi ato etoile 844 dias di I'm a million à la fin aussi le rien godovo ne enya si vocola anya le si dedie nono vivinai ne ba ya se nu gome nyue pure abotati ke auntila ye do pa si tore gbo o alo na te agogo do la si butuna do anye nina ni a ode coronavirus do apa mo khenwa oji he. C'est quoi ce masque? Je crois que j'attrape un rhume, Corona. T'as de la fièvre? Non. Tu tousses? Non. Bah t'as le nez qui coule, les mains qui tremblent, une trachée qui gratte? Non plus. Mais alors t'as pas de rhume, enlève ce masque, on dirait un humain. Oh, ne t'approche pas de moi, hein? Mais enfin, mais qu'est-ce qui te prend, Covid? Distance de sécurité, tu t'es lavé les mains? Oh, et Covid, c'est nous les virus, tu vas quand même pas inverser les rôles. Je te signale que les virus, ça meurt aussi. Regarde en Chine, on a presque tous disparu. Oui, mais ici, on n'est pas en Chine. Et puis je suis là pour te protéger. Franchement, t'as peur de quoi? Un virus, ça n'attrape pas de rhume. T'as raison. Je crois que j'ai eu un petit moment de panique. Je crois que
que c'est passé. Ouf, à la bonne heure. Bon, et maintenant, au boulot. Tu viens de toucher, là? Ah non, je crois pas. Si, tu viens de toucher. T'as le nez qui picote? Je sais pas. La trachée qui gratte? Les mains qui tremblent? Covid? Oui, Corona. Il te reste encore des masques? Ah non, c'était le dernier, ils les ont tous réquisitionnés. Alors, on est foutus. Oh,